kage bupo abani roroge hie njoge kage bupo abani roroge hie njoge kage umuna bonjani roge hie ofwe ka Jesus bata nubi umuna baise njoge kage bupo oh abani roroge hie njoge kage bupo abani roroge umunne bo njoge kage bupo abani roroge hie kwe ka Jesus bata no. Qui es-tu et comment tu es entré dans cette communauté? Je m'appelle Amogo Oje Bazuku de Omunabo Odogu, les leaders de cette communauté, comme tu peux les voir. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et je te demande encore, comment es-tu parvenu à entrer dans cette communauté? Je m'appelle le révérend Faradjeromo Okeke. Voici le révérend sœur avec moi. Je suis le nouveau prêtre pour cette paroisse comment envoyer des Ofunabo. Comme tu peux le voir, je suis ici pour venir faire le travail que mon père m'a envoyé. Vous avez besoin du salut, donc vous pouvez... Allez-y, venez. Quel salut? On n'en a pas besoin. Le salut ou peu importe tu l'appelles. Je ne sais pas comment tu es entré dans cette communauté. Je trouverai d'où tu viens. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Quittez maintenant. J'ai l'impression que tu n'as pas bien entendu. Comme je disais, je suis ici parce que j'ai été envoyé par Dieu. Je suis venu pour faire les travaux pour lesquels mon père m'a envoyé. Vous voyez? Écoute, je parle des rois de rois, les seigneurs des seigneurs, les lys de la vallée, les rochers des âges, celui qui ne faillit jamais, celui qui a créé toutes choses là où il n'y avait rien du tout. Ce n'est pas une question de moi, mais toi, de devenir Dieu. C'est de cette personne dont on parle. Je marche sous son autorité et comment tu peux me demander, moi, de quitter ici? Mon fils, tu n'as pas raison. Que viens-tu juste te dire? Avez-vous entendu comment il a appelé Ouzou? Son fils? Tout va bien avec toi. Héro Kéké! Tu dois être fou! Nous t'avons demandé de partir d'ici. On n'a pas besoin de toi dans ce village. Alors va-t'en. Ou tu es sourd? Es-tu sourd? Père Okeke, je vois que tu es arrogant et aussi stupide. Tout de toi. Merci pour ces compliments. Njogi kage bupo habanero rogehi. Père Okeke, de la manière que tu le veux. Et c'est comme ça que tu vas finir. Njogi kage bupo abani rorogehi weka Jesus patano asim aleluya njogi kage bupo abani rorogehi oh njogi umunne ma abani rorogehi njogi kage bupo abani rorogehi aleluya njogi Njogi kage bupo abani roroge hie njogi kage bupo abani roroge
Oui. Bienvenue. Merci infiniment. Merci. Oui. Oui, oui, que Dieu te bénisse. Qui vous bénisse aussi. On m'appelle John, le catéchiste de ces paroisses. Ok, ok. Oui. Ok, le catéchiste. Oui. Donc, c'est mon homonyme. Vraiment. C'est une coïncidence. C'est vrai ça. Sois le bienvenu. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et vous autant. Ça, c'est merveilleux. Merci, Père. C'est merveilleux. Et merci, Père. Voici mes guerriers des okay. prières. Mmh. Ok. Mmh. Mmh. Dans cette paroisse, mmh. Mmh, ouais. le chef qui s'occupe de cette place. À cette paroisse, c'est bien ça. À cette paroisse, la paroisse, il a voyagé. Okay. Alors, toutes les activités que nous faisions se sont stoppées en attendant qu'il rentre. Oh, il faut qu'il rentre. Il n'est pas rentré. Ah, ça, je vois. Je suis content que vous soyez venu. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être oui. venu. La manière que nous partageons la douleur avec oui. le peuple, vous voyez, nous devons travailler très dur. Ok. Okay. Nous espérons la gloire de Dieu venir ici. Oh oui, tu as vraiment raison. Vous avez raison. Hey, bonjour monsieur. Bienvenue. Soyez le bienvenu monsieur. Merci. Soyez le bienvenu. Père. Je vous en prie. Je vous prie, quel est votre nom monsieur? Ce que je suis sur le point de vous dire est plus important que mon nom. Et je vais vous écouter attentivement. Cet endroit est appelé Omonabo. La maison des dieux secrets. Nous sommes très très accueillants. Les gens qui viennent ici, nous les traitons avec beaucoup d'hospitalité et nous les transformons, ils deviennent nôtres. C'est ce qui va s'appliquer à vous, père. Parce qu'aussi longtemps que vous vivez dans nos chambres à nous, vous devez du respect à ceux à qui vous devez. Faites exactement ce que nous faisons ici et vous apprécierez votre séjour ici. Et j'espère que je suis très clair dans ceci. Et je suis sérieux dans absolument chaque mot que je suis en train de vous dire. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Vénérez votre mari à quand vous pouvez. Remplissez-la de grâce, d'autant de grâce que vous pouvez. C'est votre travail, vous êtes libre. Mais, au moment où vous direz un seul mot, à l'encontre de notre mode d'adoration, à l'encontre de notre déontologie, sachez que vous ferez appel à des cauchemars en plein midi. Vous n'en aimerez pas les conséquences. Si vous faites cela, vous franchirez la ligne rouge. Et si c'est le cas, vous aurez nos dieux à qui vous ferez face. Et nous. Savourez votre séjour. Mon père. En passant, vous aviez demandé mon nom. Exact. S'il bien. Vous plaît. Chief Odumegu Obunanzezu. Je vous souhaite bon séjour. Qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Ah, calmez-vous seulement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et vous aussi, avec vous aussi. Obi, hey. Viens s'il te plaît. Tiki. Comment es-tu aussi excité comme si tu avais gagné la loterie? Nous avons maintenant un nouveau prêtre à la paroisse. Notre très cher village de Munabo a maintenant un prêtre. Il répond au nom de révérend père John. Jésus, je te remercie, ô Seigneur. Sois loué, sois exalté. Amara, mais je te conseillerais de ne pas prendre cela pour acquis. Je ne sais pas pourquoi tu es une fille têtue. Mais à ce que je sache, notre père t'a déjà défendu de continuer d'aller à l'église. Ikena, quand vas-tu arrêter d'être un rabat-joie? Quand? Est-ce que ton père t'a aussi dit que je ne dois pas me réjouir quand j'apprends une bonne nouvelle? Ou soit ces régions deviennent un crime?
quand tu parles là, il faut bien ouvrir tes oreilles là. Si tu ne veux pas comprendre ce qu'on te dit, tu en subiras les conséquences. Et tu n'auras plus que tes yeux qui vont te servir à pleurer. Écoute-moi et écoute-moi très très bien. La prochaine fois que tu vas ennuyer encore notre père, je ne serai pas là pour plaider pour toi. Ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. Je suis une adulte. Et j'ai pleinement les droits de glorifier la personne que je veux et où je veux. Et j'ai choisi de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Je vois. Je vous conseillerais de respecter mon choix et me laisser tranquille. Ton père et toi, vous devez me laisser tranquille. Je ne vous dérange pas. Je vous en prie, laissez-moi glorifier mon Dieu. Amara. 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 Trois fois. Papa a une opinion différente concernant toute cette histoire. Ça, c'est numéro un. Je commence à me demander où tu as ramassé ces niveaux d'entêtement comme ça. Mais je te dis ceci. Tu ne dois plus essayer d'énerver papa. Laissez-moi être heureuse. Continue. Qu'est-ce que vous voulez? Continue de hurler jusqu'à ce que tu vas réveiller Odunebo de son lit là-bas. Je ne vous dérange pas dans vos affaires. Pourquoi vous ne pouvez pas me laisser tranquille? Hein? Ikena, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Papa, j'étais revenu de l'église joyeuse, mais tu as gâché ma joie. C'est quoi ton problème? Comprends que Odunebo n'est pas de très bonne humeur. Mais c'est encore quel goût comme ça? Mon frère, qu'est-ce que tu regardes? Va verrouiller le portail là-bas et arrête de me regarder comme un sorcier. Chef, qu'il la paix règne sur vous. Père, et avec votre esprit, soyez les bienvenus. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, merci. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Nous allons bien, oh. Nous allons bien. Qui est là, oh? Prenez un verre pour le père, s'il vous plaît. Non, chef. Ça va. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne prendrai rien. Voyons, mon père. Mais vous êtes dans ma maison pour la première fois, vous dites que vous ne prendrez rien. Non. Hein? Et c'est pas grave, ça c'est ma maison. Bien, ce n'est pas grave, à quoi devons-nous cette visite? Je suis venu pour qu'on en parle à propos des... Sur comment réguler les activités des nuits dans la paroisse. Vous ai-je entendu dire réguler? Hein? Réguler? Je vous en prie. Réguler est le pire des choix des mots pour vous. Père, je vous en prie, avec tout le respect. Nous ne sommes pas des commodités, nous sommes des membres des catéchistes. Hein? Je ne comprends vraiment rien. Chef, le problème est que vous et certains de vos acolytes, vous me mettez en confusion. Confusion? Vous aviez dit confusion? Comment ça? Je ne comprends rien. Exact, chef. Je ne peux vraiment pas différencier certains des faux occultiste maintenant. Sous votre respect, chef, nous sommes chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. La plupart des activités demeurent en secret. Ça ne devait pas être comme ça. Alors, chef, je suis venu ici pour confirmer ma présence ici. Si vous pouvez nous laisser toute la nuit à la paroisse, en commençant par ce week-end, il n'y aura personne qui voudra de cette chaise. Si vous voulez vous asseoir sous les chaises du devant, s'il vous plaît, chef, venez à temps. Si vous venez en retard, et vous serez mis dehors comme tout le monde. C'est une maison de Dieu. Tout le monde doit respecter Dieu. S'il vous plaît, faites-le savoir, en commençant par vous pour le respect. Vous venez en retard, vous restez dehors. Vous voulez vous asseoir sous les chaises du devant, venez à temps. S'il vous plaît. Un chef, c'est pour cela que je suis venu vous en parler. Nous ne devons pas être dans l'hypocrisie ou les mensonges. Je veux dire, certaines histoires, Dieu ne les reconnaît même pas. Hein? Alors, faisons des bonnes choses pour tout le monde. Chef,
je voulais aussi vous en parler que ce n'est pas vraiment obligatoire. Mon père, je ne vous laisserai pas dire des insultes ou dénier les membres de tous nos catéchistes ici dans ma maison. N'osez pas faire cela. Écoutez, tous ces hommes que vous insultez sont supposés être vos pères. Est-ce parce que vous êtes plus élevés que nous? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas nous insulter comme ça. Nous traiter de cultistes juste comme ça. Pourquoi faites-vous cela, mon père? Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous ne pouvez pas faire cela. Chef, je crois que ma visite pour moi ici a touché à sa fin. Mais je suis content parce que mon message vient d'être délivré. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui, vous avez raison. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ah. Imaginez un peu cela. M'insultez-moi. Maintenant même. Exact, maintenant et c'est urgent. Viens dans ma maison. Ok. C'est quoi ça? Ce garçon, ce petit garçon révérend Kéké, il vient de partir chez moi il y a quelques minutes de cela. Ah, je ne sais pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il veut nous combattre, nous. Il veut nous combattre. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par il veut nous combattre tous? Sais-tu qu'il m'a regardé dans les yeux et m'a dit à moi? Il a comparé nos activités avec celles des occultistes. Voilà ce qu'il m'a dit. Quoi? Il a dit ça? Et pas seulement ça. Il m'a également dit qu'à partir du dimanche prochain désormais, si seulement l'un d'entre nous vient en retard, cette personne restera à l'extérieur. Et en plus, notre supérieur ne sera plus du tout là pour nous. Imagine un peu ce que ces garçons sont en train de faire. Cela ne peut jamais arriver. Comme tu as dit, ça ne peut jamais arriver. Ces garçons commencent à aller au-delà de ses limites. Hein? Personne ne nous a jamais humiliés comme ça dans cette communauté. Pour qui se prend-il? Cela ne va jamais arriver. Bien, je crois qu'on devrait entreprendre des actions maintenant. Prenons des décisions sur ce garçon maintenant. As-tu quelque chose en tête là? Débarrassons-nous de lui. Non. Ça, ce n'est pas l'option maintenant. Essayons de gérer cette affaire de manière politique. Prenons une approche politique pour le chasser de cette paroisse. Nous avons la capacité et les moyens pour faire ça, tu le sais bien. Je vous démontrer d'être concentré. Nous devons à présent prier. Sainte Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie parmi toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie parmi toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Merci. S'il vous plaît. Prions ensemble, main dans la main. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, Père tout-puissant, Père, nous te remercions, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous sommes là réunis à ton nom. Nous demandons, dans le nom de Jésus, que la paix règne, que la paix vienne, que nous vivions à l'harmonie avec ta parole. Nous voulons que tu sois notre priorité. Amen. Que nous te servions, toi et toi seul. Père, ne nous laisse pas seuls. Nous te demandons la protection, Seigneur. Protège-nous. Protège-nous. Amen. Sois avec nous. Amen. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous croyons à ce que nous venons de prier. Et nous avons la certitude que tu as entendu notre prière. Mon Dieu, tu es tellement bon. Car tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et c'est en ton nom que nous avons dit Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus.
bien, alors, comment allons-nous résoudre cela? J'ai appris que l'évêque peut quitter la paroisse à tout moment. Pour la monnaie d'autre, il gère toutes ses responsabilités ecclésiastiques. Je veux dire, si nous commençons à lui mettre la pression, avec des pétitions, beaucoup de pétitions contre lui, ça va être la fin pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Je crois qu'on va utiliser ton option. Je vote pour ton option. Excuse-moi. Allô? Allô? L'abomination est en train de prendre place dans notre village. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fadi Okeke et son équipe de prière sont en route vers le temple pour détruire nos dieux. Hey! Ok, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je te reviendrai. Oui, très bien. Ah, juste imagine. Qu'est-ce qu'il y a? Juste imagine cela. Ce même père Okeke, ce garçon. Hein? Ce garçon est vraiment en train de dépasser ses limites. Je viens d'avoir un appel maintenant. On vient de me dire qu'il se dirige vers notre sanctuaire pour détruire notre déité. Peux-tu imaginer ce garçon? Cela ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Ce garçon commence à perdre la tête. Hein? Est-ce que tu réalises que cet oracle est le symbole de notre tradition? Il faut qu'une personne le rappelle à l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Ceci est une belle opportunité pour que le Dieu combatte pour nous. Hein? Laissons-le partir pendant que nous nous amusons ici et buvons. N'as-tu pas appris qu'il n'y a personne qui ait mis ses pieds dans ces temples là-bas et qui en soit sorti vivant? C'est ce que je m'apprêtais à dire. Bien. Ce garçon, il va se tirer une balle sur sa propre jambe. Ne t'en fais pas. Il n'y a que cette mouche têtue, qui va sur de la nourriture chaude sans savoir que c'est là qu'il va mourir. Laisse-le faire. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter là-dedans. Allez, buvons et amusons-nous. Et quoi d'accord, vos brousses? Un petit peu d'aide à bronc. Pourquoi vas-tu faire le bonheur? Bonjour, Ezemo.
Je m'appelle Révérend. Je sais très bien qui tu es. Je te connais, monsieur Keke. Qu'est-ce que tu attends du sanctuaire du camp Alan, mon père? Nous sommes ici, mandatés par les dieux tout-puissants. Oui, seigneur. De libérer cette communauté du camp Alanzo. De ces esprits maléfiques, cette place doit être sanctifiée par le sang de Jésus. Ezemo, c'est une très bonne opportunité pour toi de donner ta vie à Jésus. Mets-toi à genoux. Monsieur Keke, tu es déjà très bien connu apparemment à détruire les sanctuaires qui ne t'appartiennent pas. Je vais te dire une chose. Je ne sais pas pourquoi tes mains délicates ont choisi notre déité comme prochaine cible. Pourquoi as-tu choisi la lutte comme option? Parce que si seulement tu savais les pouvoirs que je possède en ces lieux où tu es en train de fouler les pieds, tu aurais regretté cela. Tu n'aurais même pas fait cela. Parlons plus de toi qui est en train de menacer ou défier les pouvoirs qui ont cette capacité de t'éradiquer de la surface de la terre. Celui qui m'envoie est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui va se battre contre moi, se bat contre Dieu. Ezemo, je vais te donner une autre opportunité. Prends tes affaires et pars. Parce que chaque moment ici sera très mouvementé. J'ai beaucoup entendu parler de ça. Plusieurs personnes ont dit cela. Et finalement, ils ne sont jamais revenus. Alors toi, tu ne seras pas une exception. Dis-moi quelque chose de nouveau, mon cher. Je veux en entendre. Bien, si tu restes ici, tu vas te blâmer toi-même. Comme j'ai dit, cette place doit être délivrée. Cet endroit va être tombé. Je vais seulement compter jusqu'à toi pour que vous quittiez ici. Un. Deux. Monsieur Okeke. Trois. Monsieur Keke, c'est le jour de mon funérailles. Alanzo, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Amen. Contre toi, la puissance de Tout-Puissant. Nous marchons ici au nom de Jésus. Tous genoux fléchis. Oh oui. Je te demande de fléchir devant le Tout-Puissant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ici au nom de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Donnez-moi de l'eau. Voilà, 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 mon père. Je te commande au nom de Jésus. Tout esprit du diable, tout esprit de Satan, je te le recommande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout esprit diabolique, tout esprit satanique, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus, que ça soit détruit, je délivre cet endroit. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout esprit maléfique, que ça soit détruit au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je sanctifie cet endroit, je sanctifie cet endroit au nom de Jésus.
libérez. Sortez ici, au nom de Jésus. Amen. Sortez. Allez dans les Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Tout esprit malade. Amen. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom. C'est aujourd'hui que vous sortez. Je sanctifie cet endroit. Au nom de Jésus. Que ce soit sanctifié. Totalement sanctifié. Au nom de Jésus. Nous chassons les esprits mauvais. Nous sanctifions cet endroit. Que tout esprit ne confesse pas ton nom. Libère. Au nom puissant Seigneur. Amen. Et maintenant, Amen. Et sans délai, tu vas partir et aller dans le Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Amen. Nous déclarons Amen. Que cet endroit soit libéré, Amen. Soit sanctifié, soit détruit par tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Sortez au nom de Jésus. J'allume le feu Amen. Pour tout détruire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus, je brûle tout esprit mauvais, Amen. Tout ce qui ne confesse pas ton nom. Amen. Je suis en train de brûler, je suis en train d'anéantir. Au nom puissant Seigneur, Amen. Au nom de Jésus Christ, au nom de Amen. Jésus Christ, je sanctifie cet endroit. Amen. Au nom de Jésus Christ, Amen, au nom de Jésus Christ, Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. Comme je te l'avais dit, hein? On va voir ce qu'il pourra faire. Hein? Il ne sait pas qu'il s'amuse avec le feu. C'est ce même feu qui va le neutraliser, je te l'avais dit. Oui. Hein? Laisse-le essayer. Je t'avais dit. Joe, qu'y a-t-il? Ne me dis pas que l'oracle a épargné l'un des leurs là-bas. C'est le contraire, ils n'ont pas du tout épargné l'oracle. Quoi? Cela n'est pas possible. Cela est impossible. Il a brûlé tout cet endroit. Hey! Où est Ezemo? Ezemo s'est enfoui. Il ne pouvait pas du tout résister au pouvoir. Hey! Nous sommes finis. Tu veux dire qu'Ezemo a fui? Sur cette terre? Ah non! Taro. Va-t'en maintenant, s'il te plaît. Va-t'en, va-t'en. Merci. Aïe. Chef Philippe, je crois que nous devons aller à ton option. Exactement. Et je sais, avec notre influence et statut dans cette paroisse, nous finirons par l'avoir. Exactement. C'est la meilleure des choses à faire. Et nous ferons cela. C'est la meilleure chose à faire. Hey! Hey! Non, pas possible. Arouet, mais... Pas possible. Arouet, mais... Ezemo s'est enfui. Hey! Cela est un haut niveau de disgrâce. On va en finir avec ça. Ah, Père Jude, bonjour. Quelle surprise. Bonjour à vous, Père Okeke. Bienvenue, s'il vous plaît, entrons. Non, ce n'est pas nécessaire. Le message que j'ai est bref. Écoutez, peu importe la longueur du message, nous sommes contents de vous voir ici. Maintenant, on est honorés. S'il vous plaît, entrons. Ah non, vous savez, j'ai beaucoup d'activités là-bas, mais avec un temps très limité. Le Vex Simon voudrait vous voir demain avant 9h. Père Jude, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout ce que j'ai, je ne sais rien d'autre. Ok, c'est bon. Dis-lui que je vais faire ce qu'il m'a dit de faire. Bien reçu, révérend Père Okeke. Je veux partir maintenant. Que le Seigneur soit avec vous.
traversé du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant dans les cieux, il n'y a personne comme toi, et il n'y a personne de comparable à toi, ô Dieu. Je bénis ton nom sur la vie de tous nos frères ainsi que de nos sœurs. Je bénis ton nom dans ma congrégation. Je bénis ton nom dans cette paroisse. Qu'aucune œuvre du ténèbre ne résiste. Aucun pouvoir maléfique ne va conquérir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu m'as envoyé ici avec une mission précise. Et en ton nom, je sais qu'aucun pouvoir ne me fera du mal. Ton nom demeurera à jamais. J'atteste devant le ciel et la terre que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais en ce moment, je laisse Dieu entre tes mains. Merci de la sanctifier avec tes mains et qu'aucun pouvoir maléfique ne prenne contrôle de ce lieu. Papa, je demeure sous ton abri. Aide-moi à demeurer sous ton ombre. Ma paroisse demeure sous ton abri et que toute sémence maléfique plantée dans cette paroisse soit déracinée au nom de Jésus-Christ parce qu'il nous a délivrés. Papa? Jimmy? Papa? Qui a-t-il? Papa, tu as un appel. Quoi? Un appel? C'est Chifo qui? Chifo Dumodu. Kéwo? Ezeji. C'est Odumegu qui t'appelle actuellement. Oh, Chifo Odumegu. Comme ça fait vraiment longtemps, je ne m'y attendais même pas. Non, ne me dis pas ça. C'est vraiment un plaisir. J'ai longtemps entendu cet appel. J'attendais ton appel. Tu avais dit que tu allais me rappeler. Mais le temps passait et je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Je veux vraiment aller tout droit au but. Dis-lui notre position sur le problème. Et instruis-le d'y agir immédiatement. Oui, chef. Il faut le considérer comme déjà fait. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas immédiatement. Je vais là-bas immédiatement. Immédiatement. Tu ne devrais perdre aucun temps du tout. Odima, ce sera tout. Chinumba, viens, va voir dans la chambre là-bas. Sous mon lit, tu dois avoir une chemise là-bas. D'accord. Amène-le-moi, il faut que j'aille quelque part immédiatement. Ok, papa. Yigirimo. Ok, Dibia, ok, Dibia. Rien ne peut aller bien. Quand le chief SAG, le vautour à ses yeux de notre chère communauté, apparaît dans mon sanctuaire avec cette humeur. Odumegu m'a envoyé. Il m'a dit de te dire que cette fois-ci, il faut que nous soyons proactifs. As-tu appris ce qui s'est passé à Lanzo hier? Je l'ai entendu. Mas não é barro lá no nenhum bagulho de Didiania. Je n'arrive toujours pas à découvrir ce qui s'est mal passé. Nous ne parlons pas de ce qui s'est mal passé, ok Dibia. Tout ça n'a aucune importance. Ce qui s'est mal passé n'est pas ce dont nous parlons. Mais plutôt nous parlons de ce qui va mal se passer.
Si le père John décide de prendre la lyre du père Okeke, ça je ne sais pas. Je me demande ce que nous deviendrons si on ne fait rien maintenant. Voilà ce qui doit vraiment nous déranger en ce moment. La sagesse, tu as parlé. Qu'est-ce que Odumegu a suggéré que nous puissions faire? Il faut que nous envoyions Père John là où nous avons envoyé les autres. Aloulie, Jibia, Liba, Jibia. Nous ne devons pas attendre jusqu'à ce qu'il commence aussi à contredire notre tradition ou marcher contre notre tradition. Cette fois-ci, il faut que nous soyons plus proactifs. Cela signifie que nous devons battre le fer quand il est encore chaud. Ma connerie a des mains. On a des mains mille de nos bas. À quoi puis-je nous gommer? Bagoulou et boya, bagoulou. On a quoi des mains? À bien jouer ou au dîner, bah non, tout on a qu'à quoi mains. Ezeji. Ok, dis bien. Je vais maintenant passer à l'action immédiatement. Il faut que nous fassions tout. Nous aimons Umunabo. Nous avons l'obligation de protéger notre tradition contre tous les ravisseurs. Je ferai tout de mon mieux pour protéger notre tradition contre ces dieux étrangers. On ne va jamais laisser ces gens-là venir nous tourmenter comme ça. On ne va pas les laisser s'en sortir comme ça. Non. Ils ne resteront pas impunis. Ezeji. Il grigne au bala. Il grigne au bala. Je suis sûr que tu sais de quoi je suis capable. Je vais m'occuper de cette situation. Je savais que tu pouvais faire quelque chose. Nous allons attendre. Va et dis à Odumegu qu'il ne doit s'inquiéter en rien. Parce que je vais m'occuper de la situation. Je savais que je pouvais compter sur toi. Notre cher Dibia, nous allons attendre. Hein? Igiribo! Igiribo! Obara, obara, obara. Oh oui, c'est ça. Très bien. Je m'en vais. Aucun problème. J'étais sûr que tu pouvais faire quelque chose. Nous allons attendre seulement la suite. Nala dalu ba ejo gaba no no. Mba no no. Onye dalu be mmari ana. Onye ono bi ana tie ike. Vous ferez vraiment mieux de vous préparer pour la tempête qui arrive avec une petite pluie. Tu m'avais dit que tu venais parler de quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Grand frère, je voulais savoir pourquoi tu préfères t'allier à papa, même quand c'est évident, je veux dire très évident, que ce qu'il fait est mauvais. C'est censé être une question ou une interrogation? Farikena, papa, ce qu'il fait n'est pas correct. Donc, cela veut tout simplement dire que toi aussi, ce que tu fais n'est pas correct. Le chemin que papa et toi vous avez emprunté est le chemin de la destruction. Et cela peut vous conduire à une condamnation éternelle. Bien. La seule chose qui me retient encore ici d'écouter tes stupides paroles, c'est parce que j'avais fait la promesse à ma mère. Je me rappelle encore de ces jours. Que son âme repose en paix. Je lui avais promis que je ne te toucherai jamais, encore moins te frapper, parce que c'est une promesse. Mais je peux te dire, cette promesse particulière peut se briser dans une minute. Va dans la maison. Kena. J'ai dit, va dans la maison. Qu'est-ce que c'est?
Je n'irai nulle part, je ne partirai pas. Qui désigne? Dégage. Je veux plus te voir. Hey. Hey. Réponds-toi. Réponds-toi, grand frère. Le royaume des cieux est proche. Tu ne dis pas la vérité à papa. Réponds-toi. C'est à tout moment que tu soutiens les bêtises. Tu soutiens le mal. Modégué. Salutations, votre seigneurie. Bonjour. Asseyez-vous. Merci, votre seigneurie. Père Jérôme. Oui. Le Seigneur apprécie votre obéissance. Et cela s'est suivi de l'arrogance. Vous savez, Dieu ne nous donne pas des dons à utiliser n'importe comment nous voulons. Dieu nous donne des dons pour les utiliser correctement. Frère Jérôme, comment avez-vous laissé la fierté vous pousser à emmener la disgrâce sur l'église? Sous votre respect. Silence! Vous êtes même en train de prouver au Seigneur que vous pouvez être désobéissant. Je suis désolé. Père Jérôme. Oui, votre Seigneur. Je vous ai posé d'innombrables questions. Vous ne m'avez donné aucune réponse satisfaisante, à ne serait-ce qu'une seule. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises de suivre l'enseignement traditionnel de l'Église. Mais vous avez refusé. Comment osez-vous défier une autorité dans votre paroisse? Je peux commencer à citer toutes les innombrables plaintes faites sur votre comportement. Pas plus loin qu'hier, le Igwe de la communauté d'Alanzo et son cabinet sont venus vous accuser auprès de moi. Ils ont dit que vous avez brûlé leur sanctuaire, est-ce donc vrai? Oui, c'est la vérité. L'action était nécessaire, on devrait libérer les gens dans les mains du diable. Et c'est écoutez, pour cela. Vous n'êtes pas envoyé au village pour détruire leur sanctuaire sans leur permission ou leur invitation. Votre mission dans les villages, c'est gagner des âmes pour Christ. Votre Seigneurie, dans mes derniers jours de prière, il m'a été révélé que cet oracle d'Amoinzo est la source du freinage de l'évolution de ce village. En respectant bien les règles, l'oracle doit partir pour la libération de ce peuple. Donc maintenant, vous permettez à votre instinct naturel de surpasser les traditions et procédures de l'Église. Écoutez, Père Jérôme. Oui, prêtre. Savez-vous que vos actions peuvent aboutir à ce que les villageois puissent brûler toute l'Église? À cause des allégations insupportables levées contre vous, vous voilà donc suspendu indéfiniment. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez plus qu'aujourd'hui. Allez dans la maison de la paroisse et rassemblez toutes vos affaires. Votre successeur est sur son chemin pour vous remplacer. Dès maintenant. Ok, d'accord. Vous pouvez partir de mon bureau. Père qui est aux cieux, tu es le seul qui m'a appelé. Je ne suis pas venu par moi-même. Au moment où je t'ai pris, que ta volonté soit faite. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père Céleste, c'est toi qui m'as appelé.
C'est toi qui as voulu que je sois là. Je ne suis pas venu ici par erreur, ni par moi-même. Mais s'il te plaît, Seigneur, c'est toi qui connais mes fautes. S'il te plaît, Père, je crois en toi. Je sais que tu es là. Tu m'entends. Te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto, sine differentia discretioni senti. I am among, I am among, la trompette en métal. Le son de la trompette en métal a sonné pour la guerre et pour le danger. Je fais appel à toi. Viens et combat ton combat. Agbala Kene, combat de bataille.
affaire. Mon père, mon père, mon père. Pourquoi lui? Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Seigneur, donc c'est vrai. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, comment cela est arrivé? Pourquoi? Père John, Père John, non, non, Père John, non. Ah, Père John, Père John, Père John, Père John. Pourquoi tu nous as fait ça? Père John. Pourquoi? Pourquoi? Aïe. Pourquoi? Mais père, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'était vrai. Mon Dieu. Mon Dieu. Père John, pourquoi? Mon Dieu. Pourquoi, père John? Pourquoi lui? Pourquoi tu nous as fait ça? Mon Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi c'est tu me pas du tout ça? Juste. Pardonne, pourquoi tu as fait ça? Pardonne. Pardon, tu m'as laissé. Pourquoi es-tu parti? Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi est-il parti? Et Wery, quel est le problème? Notre nouveau prêtre est mort. C'est ce pourquoi tu es en train de pleurer? Parce qu'un autre nouveau prêtre est mort. Ah bah, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Mais papa, ça, qu'est-ce qui est drôle? Je viens d'apprendre qu'un serviteur des dieux est mort et tu t'es mis à rire. Papa, tu n'as pas de cœur. Tu ne peux pas montrer un peu de sympathie, je veux dire juste un peu. Un mot de plus à propos de ça, et je vais m'arranger à ce que tes funérailles soient organisées. J'ai dit un mot de plus, et je vais rendre la vie difficile pour Jésus. Toi. M'as-tu entendu? M'as-tu entendu? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute-moi. Hein? Reviens à ta sœur. Amara, c'est tout stupide ce que tu fais, parce que je te connais. J'ai un conseil pour toi. Viens ici, viens. Lâche-moi, je ne touche pas. Arrête. Écoute, je dois te dire quelque chose. Tu n'es plus une petite fille. Si tu recommences encore avec l'histoire comme ça, ça va tellement mal finir. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Tu me demandes ce que je vais si faire. Je te pose la question, qu'est-ce qu'il me fera? C'est à moi que tu demandes ça. Et c'est à moi que tu réponds comme ça. Fiche-moi la paix. Hein? Écoute, c'est moi que tu réponds comme ça. Tu me réponds insolemment comme ça. C'est la dernière fois que je te comporte comme ça. Je te l'ai dit, la prochaine fois, tu vas bien me sentir. Tu es émotionné avec cette église-là. Attends, tu vas me sentir, tu vas me sentir. Non, non, cela ne peut pas arriver. Je ne peux pas permettre ce transfert. Non! Je ne peux pas aller dans ce village, au Monabo. Je ne mourrai pas là-bas. Non, pas là-bas. Et d'ailleurs, je vais me résilier en tant que catéchiste.
Non. Non, je vais démissionner. Non, 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 non. Je dois te dire que tu as merveilleusement bien travaillé et je dois également te compenser équitablement et justement. Alors je te remercie infiniment. Il y a une chose de plus que j'aimerais que tu fasses pour moi. J'ai entendu d'après mon autorité que le nouveau révérend père se dirige déjà vers notre communauté. Je veux que tu ouvres grandement les oreilles sur ça. Emmène-moi tous les détails que tu pourras avoir à propos de ce révérend père. Je ne veux pas être le dernier à le savoir. Ok. Ah, papa. J'aime du fait que tu as pris la décision que rien ne peut s'élever contre nous. Mmh. Tu sais, c'est ma responsabilité, en tant que le président de l'union de cette ville, de toujours garantir la sécurité de la communauté, mais aussi la préservation de nos cultures et valeurs. Et c'est ce que je fais à tout moment, même si cela implique la sécheresse de la dernière goutte de mon sang. Je ne pourrais pas hésiter à faire cela. Mais papa, ne penses-tu pas que certaines personnes dans cette communauté pensent que tu usurpes le pouvoir des Igwe? Cela est pleinement de leur droit de penser tout ce qu'ils voudront. Et ma responsabilité est de corriger cette notion, cette impression. Et tu sais, je ne suis pas du tout en train de prendre toute la responsabilité du Igwe, non. Bien au contraire, je suis en train d'obéir à la demande de mes obligations en tant que président général de la communauté. Diki tenge tenge. Je dois préserver nos valeurs. Voici même. Ça, c'est la décision. Voilà même les conséquences. Arrête un peu avec ce que tu racontes, mon fils. Dalo. Tu vois, papa, tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire, je te félicite. Merci infiniment. Tu sais, nos ancêtres nous ont laissé un riche héritage. Et c'est de notre responsabilité de protéger et de préserver cet héritage. Tu peux ne pas le savoir, mais nous sommes tous un produit d'un grand héritage dont la culture est très fière. C'est là notre héritage. Et moi, en tant que le PG, dois préserver la sacro-sainteté de notre culture, de nos valeurs traditionnelles. J'ai toujours insisté à ce que tu sois à mes côtés afin que tu apprennes deux ou trois trucs. Et que tu apprennes à prendre des décisions très sévères, vois-tu? À chaque fois que tu es confronté à des situations un peu compliquées, c'est ce qui essaie de te propulser en tant qu'un homme. C'est là qu'on prend les plus difficiles et les plus dures des décisions. Bien, en passant, je suis le président actuel, ça tu le sais. Mais je peux te dire, étant assis ici, que tu es le président en devenir de notre communauté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si on me cherche et qu'on ne me trouve pas, mais qu'on te voit, toi, je suis en cet instant en train de te conférer l'autorité afin que tu agisses en mon absence. Et cela veut dire que, peu importe la décision que tu prends, elle sera exécutée par absolument chaque membre de cette communauté. Je veux que tu aies ça en tête. Digue. Oui, mon fils. Papa. Et tu penses que tu m'as donné les chaussures à mettre aux pieds. Tu sais, tu sembles vraiment oublier le fils de qui tu es. Tu es le fils du chief Odumegu Obunanzizo. Aucune chaussure ne pourra jamais être trop large pour ces pieds que tu as durant toute ton existence. Désormais, ne fuis pas tes responsabilités.
j'ai conféré l'autorité sur toi. Et tu dois utiliser cette autorité avec plein de discrétion. Maintenant, bois avec moi, mon fils. Imbedike. Makagini. Mwago. Souviens-toi bien de ce que je viens de te dire. Et sois sage. Béni sois-tu, Père. Merci. Merci infiniment, Père. Le serpent et les mille pattes ne mordent jamais par leur ventre. Leur forme ne les rend pas plus braves. Le changement de couleur d'un caméléon peut seulement tromper des fous, et pas moi. Je dois te dire que tu as merveilleusement bien travaillé et je dois également te compenser équitablement et justement. Alors je te remercie infiniment. Il y a une chose de plus que j'aimerais que tu fasses pour moi. J'ai entendu d'après mon autorité que le nouveau révérend père se dirige déjà vers notre communauté. Je veux que tu ouvres grandement les oreilles sur ça. Emmène-moi tous les détails que tu pourras avoir à propos de ce révérend père. Je ne veux pas être le dernier à le savoir. Ok. Ah, papa. J'aime du fait que tu as pris la décision que rien ne peut s'élever contre nous. Tu sais, c'est ma responsabilité, en tant que le président de l'union de cette ville, de toujours garantir la sécurité de la communauté, mais aussi la préservation de nos cultures et valeurs. Et c'est ce que je fais à tout moment, même si cela implique la sécheresse de la dernière goutte de mon sang. Je ne pourrais pas hésiter à faire cela. Mais papa, ne penses-tu pas que certaines personnes dans cette communauté pensent que tu usurpes le pouvoir de Igwe? Cela est pleinement de leur droit de penser tout ce qu'ils voudront. Et ma responsabilité est de corriger cette notion, cette impression. Et tu sais, je ne suis pas du tout en train de prendre toute la responsabilité du Igwe, non. Bien au contraire, je suis en train d'obéir à la demande de mes obligations en tant que le président général de la communauté. Diki tenge tenge. Je dois préserver nos valeurs. Voici même. Ça, c'est la décision. Voilà même les conséquences. Arrête un peu avec ce que tu racontes, mon fils. Dalo. Tu vois, papa, tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire, je te félicite. Merci infiniment. Tu sais, nos ancêtres nous ont laissé un riche héritage. Et c'est de notre responsabilité de protéger et de préserver cet héritage. Tu peux ne pas le savoir, mais nous sommes tous un produit d'un grand héritage dont la culture est très fière. C'est là notre héritage. Et moi, en tant que le PG, dois préserver la sacro-sainteté de notre culture, de nos valeurs traditionnelles. J'ai toujours insisté à ce que tu sois à mes côtés afin que tu apprennes deux ou trois trucs.
et que tu apprennes à prendre des décisions très sévères. À chaque fois que tu es confronté à des situations un peu compliquées, c'est ce qui essaie de te propulser en tant qu'un homme. C'est là qu'on prend les plus difficiles et les plus dures des décisions. Bien, en passant, je suis le président actuel, ça tu le sais. Mais je peux te dire, étant assis ici, que tu es le président en devenir de notre communauté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si on me cherche et qu'on ne me trouve pas, mais qu'on te voit, toi, je suis en cet instant en train de te conférer l'autorité afin que tu agisses en mon absence. Et cela veut dire que, peu importe la décision que tu prends, elle sera exécutée par absolument chaque membre de cette communauté. Je veux que tu aies ça en tête. Digue. Oui, mon fils. Papa, et tu penses que tu m'as donné les chaussures à mettre aux pieds. Tu sais, tu sembles vraiment oublier le fils de qui tu es. Tu es le fils du chief Odumegu Obunanzizo Ofonanya Sueno Abiago. Aucune chaussure ne pourra jamais être trop large pour ces pieds que tu as durant toute ton existence. Désormais, ne fuis pas tes responsabilités. J'ai conféré l'autorité sur toi et tu dois utiliser cette autorité avec plein de discrétion. Maintenant, bois avec moi, mon fils. Imbedike. Makagini, Mwago, souviens-toi bien de ce que je viens de te dire. Et sois sage. Béni sois-tu, père. Merci. Merci infiniment, papa. Jigidem, Oyewem Jesus, Jigidem, Osogi, Kanaba, Merigi, Angeme, you are, hey. Yemike, oke ile, chufu kanyanda. I know you pay the debt you did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to take my sins away. Oh, so I can see. With a new song. Amazing grace. Oh yes, Lord Jesus paid the debt that I could never pack a rack of soap. Oh yes, shall we?
car j'étais lourd. Merci beaucoup. Merci pour le temps. Tu es troublé de tous les côtés, mais jamais vaincu. Tu es persécuté, mais pas vaincu. Tu es humilié et non vaincu. Mais alors, jamais perdre la foi. Oh, alléluia. Jamais perdre la foi devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que c'est en lui qui a le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Père éternel, sois béni de nous avoir donné la sagesse de comprendre tes paroles. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Révérend Père Bénédicte, je n'arrive pas à y croire que ceci vient de vous. Comment pouvez-vous prendre une décision aussi ridicule, résilier de votre position en tant que prêtre de l'Église catholique romaine? Abandonnez votre culte juste comme ça. Bien, laissez-moi juste essayer de croire que cela ne vient pas de vous, que je n'ai pas vu ça. Votre Seigneurie, messieurs, s'il vous plaît, acceptez ma démission. Ma décision est prise. Je ne suis plus un fervent. Je suis le seul fils chez mes parents. Je ne vais pas mourir. Père Tout-Puissant, je bénis ton Église. Bénis ton Église. Que tous les plans machiavéliques montrés contre ces dernières tombent. Encore une fois, bénis ton Église. Le vautour à ces dieux de notre communauté. Sois le bienvenu. Dibia Kalili Dibia. Au Togo, le plus grand Dibia de notre temps. Nous sommes venus te saluer. En fait, je suis là pour te saluer. En fait, j'ai dit nous parce que je viens au nom de tout notre peuple. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui, tout notre peuple. Odumegu m'a demandé d'amener ceci pour t'apprécier. Donc c'est pour ça. Et donc tu vois, je t'ai apporté ceci pour t'apprécier. Voilà, je t'ai apporté ce bouc pour t'apprécier, Dibia.
Je suis reconnaissant devant des gens comme toi et Chief Odumegu. Pas de qui quoi. Pensaient qu'il est sage de venir remercier les dieux pour ce qu'ils ont fait pour eux. Ce n'est rien, ce n'est rien. Toi et le Chief Odumegu, les dieux de cette terre vous garderont pendant les jours du marché. Ici. Pendant le jour du marché de Ho. Ici. Et ceux de Afo également. Ici. À ceux de Ko également. Ici qui est Kokole. Il ne pourra jamais rien vous arriver tant que les dieux existeront. Ici. Peu importe ce que vous ferez, ah, les oui. mains des dieux seront toujours là pour oh, vous si. De faire quoi que ce soit dans la vie. Oh, si. Alors peu importe ce qui se passe, soyez tranquille. Oh, si, nam. Car tout homme né d'une femme n'aura jamais aucun pouvoir. Ok, dis bien. Vous devez en être fier. Dalo. Soyez très fier de cela. Dalo. Puisque toi et Odumegu avaient pensé qu'il est sage de remercier les dieux avec ce bouc. Oui. Les dieux continueront de vous nourrir, vous et vos familles. Ici. Soyez-en très sûrs. Dalo. Il dit bien la caca. Les grands dieux de notre temps. Oui, c'est bien toi les plus grands. Tu peux l'accrocher là. Ah. Très bien. Oh, Cosima. Oh, Cosima. Votre seigneurie, il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec vous. Ok. Assieds-toi. Je t'écoute. Votre seigneurie, la communauté d'Omunabo, c'est le seul endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. En ces moments, par conséquent, nous avons perdu 3 de nos chefs. J'aimerais que vous appeliez et réintégrez le père Okeke pour l'envoyer là-bas. Au moins, Dieu ne nous punira pas pour ses crimes. J'ai donné à Jérôme une suspension indéfinie pour sa méconduite. Je sais, votre seigneurie. Mais s'il faut qu'on se dise la vérité, Père Jérôme, c'est la seule personne qu'on a besoin en ce moment. Vous le savez, ce n'est pas étrange de la puissance de Dieu à nous. Jérôme est vraiment arrogant. Arrogant, exactement. C'est de cette arrogance dont on a besoin à Omunabo maintenant. Nous avons vraiment besoin de lui. Pour terminer ces troubles, il est celle qui s'est tenue debout contre les esprits. Oui, frère Jérôme, c'est une bonne personne. Votre seigneurie, je sais comment c'est difficile et pour vous de prendre cette décision. Comme il est puni et qu'il retourne ici à la première place. Il y avait un moment donné que les gens n'arrivaient plus à entrer dans cette communauté parce que les esprits étaient nombreux et la communauté avait des problèmes sérieux et en ce moment nous voulons la présence du Père. Occupe-toi de cela, Jude. Oui, votre seigneurie. Mama,
Bonsoir. Le Seigneur soit avec vous. Amen, Père. Père, s'il vous plaît. Oh, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Père Jude. Je suis le secrétaire du bishop de notre paroisse. Amen, mon Père. Merci. Mon Père, s'il vous plaît, je voulais avoir un rendez-vous avec le bishop pour que je puisse lui parler des problèmes de mon fils. Mais je n'y arrive toujours pas. Il est où, votre fils? Il avait voyagé au Ghana pour assister à une conférence des sœurs, mais il reviendra la semaine prochaine. Très bien. J'étais venu le voir. Lorsqu'il rentrera, dis-lui que le père Jude est en train de le chercher. Je ne manquerai de lui dire. Qu'il me cherche le plus tôt possible. C'est bon, mon père. Je vais vous laisser maintenant. Ok. Mon père, s'il vous plaît, donne-moi l'occasion de vous offrir quelque chose. Ne vous en faites pas. Lorsque je viendrai encore. Mon père, est-ce une promesse? C'est une promesse. Ok, mon père. Au revoir. Que la paix soit avec vous. Amen, mon père. Au revoir. Hey! Oh mon Dieu. Mon père. C'était le père. Il a promis de revenir. Il était venu pour ton fils. Oui. Donc, comment tu vas? Ça va. J'étais venu te chercher hier, ton frère ne te l'a pas dit. Ah, tu étais venu me chercher? Oui. Ah, Udoka, es-tu sûr que tu étais venu me chercher et pas mon frère? Allez, dis la vérité. Amara, c'est pas comme ça. Cette fois-ci, j'étais venu te chercher. Ok, j'espère que tout va bien. Amara, je t'ai venu te rappeler à propos de la décision d'Umuada. Elles ont insisté en disant que toutes les filles de notre royaume doivent participer à la danse culturelle d'Omongo. Et elles ont aussi insisté que nous devons acheter les uniformes bien avant la cérémonie. Est-ce que c'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Moi, Amara. Combien de fois dois-je vous dire que moi, Amara, je ne peux pas m'impliquer dans une affaire qui n'est pas à la gloire de notre Seigneur? Hein? Ah, combien de fois? Amara. Écoutez, vos danses, c'est du fétiche. Donc, je ne peux y participer. Ok? Je ne peux pas. Et à propos des... Comment est-ce que je l'ai encore appelé? L'uniforme pour la danse traditionnelle de Mongo. Désolée, ne comptez pas sur moi. Ok? Non, non. Ada. Attends, Amara. Ça a déjà été payé. Tu dois être contente. Ton frère a payé pour toi. Exactement. Ton frère a payé pour... Moi? Oui. Qui lui a demandé de faire ça? Est-ce que vous lui avez supplié pour qu'il paye pour moi? Parce que je ne lui ai rien demandé. C'est quoi cette bêtise? Hein? Amara, il viendra récupérer cet argent auprès de vous deux. Vous devez trouver cet argent pour lui. Parce que je ne lui ai rien demandé. Amara, c'est quoi cette bêtise? J'ai pas envie qu'il fasse quoi que ce soit pour qu'est-ce moi. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu parles. Pourquoi vous l'avez supplié? Va remettre leur argent. Étais-tu obligé de lui dire? Eh oh, laisse-moi tranquille. Oui, votre comment seigneurie. S'est passée la collation de votre sœur? Votre seigneurie, c'était vraiment un succès. Merci. Enfin, c'est bien, c'est bien. Je suis celui qui a envoyé le révérend père Jude dans votre famille pour vous informer que la suspension indéfinie contre vous vient d'être levée et après beaucoup de concentration. Vous voilà désormais assigné en tant que le prêtre de la paroisse en charge de la trésorerie dans la paroisse. De mon abord. Révérend Père Okeke. Votre Seigneurie, je suis un serviteur de Dieu. Peu importe où vous voulez m'envoyer, je partirai. Bien, bien.
Ça, c'est bien. Merci. Vous pouvez aller voir ma secrétaire pour les papiers. Merci beaucoup. Merci. Maman, ah, que le Seigneur soit loué. En tout cas, maman, vraiment, c'est la volonté de Dieu. Excusez-moi, je vais. Désolé. Maman, laisse-moi, je vais. Mais c'est lourd. Hey, maman, ça pèse. Ouais, il a dit 2000 naira. Merci. Maman. Hein? Ça pèse oui, encore. Fils. Ah, maman, ok. Oh, on y va. Je suis très heureuse. Tu es toujours forte. C'est ça. Hey, bien. Maman. Hey. Oh, Seigneur. Comment s'est passée la réunion avec le bishop? Il était bien. J'ai été repris. Oh, que notre Seigneur Jésus soit loué. Amen. Hein? Cela veut dire que tu vas rentrer à la paroisse Saint-Anthony? Non, maman, c'est pas comme ça. J'ai été transféré du côté du village de Omonabo. Omonabo? Omonabo? Non. Non. Hey! Non. Non, mon fils, je ne peux pas accepter de te perdre. Pas là-bas, au Monabo. Ils sont dangereux. C'est très dangereux. Surtout pour les chrétiens. Ah, mon fils, beaucoup de révérends pères sont morts là-bas. J'aurais même appris que certains ont refusé et ils ont démissionné. Hein? À cause des atrocités qui se passent là-bas. Mon fils, je t'en prie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas partir là-bas. Je n'ai pas envie de te perdre. Maman. Réfléchis. Maman, c'est pas maman, bien ça pour va. Toi. Calme-toi. Non, je ne suis pas écoute-moi. D'accord avec ça. Ma Bible me dit dans les livres de Luc, chapitre 10, verset 19, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tout esprit de l'ennemi. L'ennemi. Ce n'est pas le moment de me parler de la Bible. Qu'en est-il de ceux qui sont morts là-bas? Je n'ai pas peur de rien du tout là-bas. Hein? Assez. Tu es très têtu, juste comme ton père. On y va à la maison et nous allons continuer avec cette discussion. Maman, partons si dans Dieu, la maison. Si Dieu m'amène là-bas au Monabo, il va me protéger. Non. Arrête de te déranger. Non. Hein? Non. Je Dieu suis est pas là d'accord. Pour nous. Rien non, ne non, va non. nous arriver. Je rien refuse. Ne va m'arriver. Non. Itché, bonjour. Itché, est-ce qu'il est là? Itché, où est-ce qu'il est? Ezekibia, qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement que tu es là. Je suis là. Hey! Odikwama. Pourquoi as-tu l'air pressé comme ça? Tu n'as même pas l'air normal. Qu'est-ce qui se passe? Itché, tout ne se passe pas bien du tout, Chief. Tout ce dans cette communauté ne va pas bien du tout. Il y a encore des choses qui veulent bientôt se passer. C'est quoi encore? La guerre est sur le point d'arriver. Vas-y, toi, au but, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'y rends pas correct. Ce n'est pas prudent d'en parler ici comme ça. Quoi? Attends. As-tu confirmé cela? Chief, mais pourquoi tu me poses une telle question? Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas confirmé. Je te parle de ce que j'ai déjà bien confirmé. Hein? Tu as bien authentifié ceci.
Pourquoi? Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit absolument être fait. Chez nous, on dit qu'un crapaud ne court pas en plein jour en vain. C'est soit il est à la poursuite de quelque chose, ou quelque chose est à la poursuite du crapaud. Ok, a été affecté ici à Omondabo par les réglés centrales. Impossible. Ichizeji. Es-tu vraiment sûr de ce que tu viens juste de dire? Ok, dis bien. Tu penses que je peux venir jusqu'ici pour dire des choses dont je ne suis pas assez sûr, c'est ça? Je t'ai dit ce que je sais au moment où je te parle ici. Avec l'information que j'ai eue, il sera avec nous dans cette communauté. Dans une semaine. Il sera dans cette communauté la semaine prochaine. Alors, le chief Odumegu m'a dit de venir t'informer. Alors, il faut que tu ailles voir le roi. Va au palais. Fais tout ce que tu peux pour convaincre le roi de ne pas accepter qu'une telle chose arrive. Qui doit tout faire pour annuler cette affectation immédiatement. S'il te plaît, Okedibia, nous ne voulons pas de lui ici. Pas du tout. Père Okeke viendra dans cette communauté la semaine prochaine. Je ferai absolument tout ce qui est possible pour m'assurer à ce que cet homme inutile ne foule pas ne serait-ce qu'un pied sur cette terre. Il faut le faire très vite, oh. Il faut le faire très vite. Nous ne voulons pas de cet homme-là ici. Il va venir avec ses histoires, nous embrouiller. Moi, je veux partir. S'il te plaît. Dis à Ichie Odumegu que je viendrai le voir aussi vite que j'aurai fini avec ma petite réunion avec Igwe. Et pour le père Okeke, il ne foulera pas ses pieds sur cette terre aussi longtemps que je suis le Ezemo de cette communauté. Ça c'est bien. Il faut agir très vite. Ah oui, il faut que nous agissions très rapidement. Nous courons derrière le temps. On a passé le temps, oh. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, le Tout-Puissant, le Seigneur des armées, le lion de la tribu du Juda, l'Alpha et l'Oméga, Père éternel, je viens devant ta présence, devant ton trône ce matin, pour demander pardon de tous mes péchés, pour demander pardon du péché de mon père ainsi que de mon frère et de tous les membres de cette famille. Père éternel, peu importe ce que nous avons fait pour t'offenser au Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, peu importe ce que nous avons fait de mal pour attirer ces ténèbres qui planent dans ces royaumes, nous te prions de nous pardonner au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses restaurer ces royaumes, pour que tu puisses restaurer cette communauté. Père éternel, nous te remercions infiniment pour nous avoir envoyé le révérend Père Okeke dans ces royaumes.
Seigneur, protège-les de la même manière que tu lui as envoyé dans ses royaumes. Père éternel, dirige ses pas, veille sur lui, couvre-le par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Qu'aucun mal ne puisse atteindre ce révérend père, peu importe son origine au nom de Jésus. Père éternel, par ta grâce, il viendra dans ses royaumes et il réalisera tout ce que tu lui as envoyé de faire dans ses royaumes et il ramènera la lumière dans ses royaumes. Oh Père éternel, que tous ces gens qui vivent dans l'obscurité et dans le ténèbre puissent être en mesure de voir ta puissance. Oh Père éternel, je laisse mon Père entre tes mains. Je t'en prie, Seigneur, aide mon frère ainsi que mon père à voir ta lumière, à voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Je veux continuer à leur prêcher, je veux continuer à leur montrer ton chemin. Ils doivent te suivre, ô Éternel. Ils doivent te connaître. Ils doivent savoir que c'est toi la lumière du monde. Et il n'y a que toi qui peuvent leur donner la paix et la tranquillité, ô Père Éternel. Je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, viens à mon secours. Viens secourir ma famille. Viens secourir ces royaumes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de notre vie. Salutations, votre majesté. Aisez-moi, tu es le bienvenu. Le tout-puissant des dieux, ton visage semble avoir un problème. Votre majesté. Asana bana droko no moju oko. Ni koko ki ojuweti kato lagati bo ko mma. Bunanya mu adroze ba populia. Votre majesté. Nous avons un très très grand problème que nous devons très vite résoudre, le plus vite que possible. C'est quoi les problèmes? L'Église catholique nous envoie un nouveau prêtre, le Père Jérôme Okeke. Je sais que vous avez sûrement dû entendre parler de lui. Et vous êtes au courant qu'il sera dans notre communauté dans les 7 prochains jours. Votre Majesté, vous devez faire en sorte que cela ne se produise pas. Nikirigo. Votre Majesté. Je n'ai pas le pouvoir d'arrêter Père Okeke. Qu'il vienne dans cette communauté. Tu connais les règles. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, vous le pouvez. Vous êtes le roi de cette communauté. Juste une pétition. Écrivez une pétition à l'évêque de l'Église catholique et ils vont l'empêcher de venir dans cette communauté. Ikoniko, tu ne peux pas me dire que je dois l'interdire de venir dans cette communauté. Actuellement, ce n'est pas un traître dans cette communauté. Ikoniko. Manande mwona afimilini. Ce homme est une menace pour notre tradition. Et une menace pour notre tradition est une menace pour nous. Le fait qu'il pose ses pieds sur ces terres est une grande abomination. Et nous devons faire absolument tout ce que nous pouvons pour l'en empêcher. Votre Majesté, écrivez une pétition contre lui au grand bishop de l'Église catholique. Parce que le fait qu'il vienne dans cette communauté ne nous apportera rien d'autre que la mort. Ok, qui s'occupe de ses affaires. Et toi, tu es à la tête de notre tradition. Tu dois t'occuper de la tradition. Personne n'aura des problèmes. C'est la tradition. Votre Majesté,
Je suggère que vous puissiez réfléchir sur ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Makanonye na gonsio danya. Ada de mitiniose. Makananya no sa adoro na mma. Oboro kwana nkata eji ebu aja mmadu. Ke eji ebu aja ndunwa anwu. Réfléchissez sur ce problème. Je te promets d'y réfléchir, mais ma décision reste la même. Personne ne peut changer cela. Je ne pense pas que je le changerai non plus. Longue vie, Votre Majesté. Non, ce n'est pas possible. Ezemo, oui, c'est lui. Allons le saluer. Ezemo. Ezemo. Ça n'a pas l'air d'aller. Je ne l'ai jamais vu dans cet état auparavant. Ego, j'espère vraiment qu'il n'y a aucun problème. C'est ce que je suis en train de penser. Il y a vraiment un problème. Je prie seulement que ceci ne nous implique pas du tout. Qui sait? Mais pourquoi est-il appelé Ikiribo? Parce que le Ikiribo que je connais est un animal très dangereux et spirituel en même temps. Je ne comprends rien. Chike, tu devrais lui demander. Moi, lui demander? Alors qu'il semble ne pas m'aimer du tout. Ne pose pas la question dont tu ne sauras pas supporter la réponse. Tu vois, mon cher, mon père m'a toujours dit que quand tu cherches beaucoup trop un lézard, tu peux trouver un crocodile. Alors qu'est-ce que tu avais fait qui avait poussé ton père à te dire cela? Chiki, j'avais posé une question bien plus grande que moi. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Occupe-toi de tes affaires. Chiki, occupe-toi de tes affaires. Allons-y. Tu viens ou pas? Ikebe Mwenije, Odogo. J'espère que tout va bien. Oui, tout semble aller parfaitement bien en tout cas. Comment ça s'est passé? Pour être honnête, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Oh Guéné, comment ça s'est passé? Nous avons un plus grand problème entre nos mains. Je ne te comprends pas exactement. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Le Igwe a dit qu'il ne pense même pas qu'il pourra arrêter le père Okeke d'entrer dans cette communauté. Et même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. Le Igwe a dit cela. J'espère qu'il sait de qui est-ce que nous parlons. Lui as-tu dit que le père Okeke entre dans une communauté pour détruire la communauté, détruire leurs origines, détruire leur déité? Et c'est le même qu'il veut que nous puissions admettre dans... Non, non, écoute. Il ne peut pas... Ndiaba, le festival est dans 2 mois seulement. Hein? Ceci est le pire moment de laisser le père Okeke d'entrer dans notre communauté. Veux-tu le laisser détruire notre communauté juste comme ça?
Ikenna. Ikenna. Oh, oui, je suis là, Juif. Prends la voiture, nous allons suivre tout de suite. Que même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. C'est ce que le Igwe a dit. Ok. Votre Majesté, Ikeke vient juste de m'informer de votre manque de volonté pour empêcher le père Okeke de venir dans notre communauté. Je me suis senti dérangé, j'ai même douté de ça, voilà pourquoi je suis venu vous voir. Chef Ono, ça dépend de la terre à laquelle tu es bien au courant. Veux-tu entendre les Igwe de ces royaumes ou pas? Je suis le Igwe de ces royaumes et j'ai pris une décision et ça doit être respecté. Votre Majesté, je n'ai aucune intention de manquer du respect à votre avis et à votre opinion. Vous êtes le Igwe de notre communauté. Je m'attends également que vous puissiez considérer que je suis le président général de l'union de la ville de Omonabu. Et avec cette capacité, je possède le droit de questionner un quelconque développement que je pense être nuisible pour notre communauté. Dans ce cas, la présence du père Okeke ne sera pas bien pour nous. Voilà pourquoi je suis là, pas pour questionner votre autorité. Chef Odumegu, je ne pense pas l'arrivée d'Okeke dans cette communauté doit être un problème. Ils vont s'occuper de leurs affaires lorsque nous ferons pareil. Il n'y a rien que je puisse changer là-dessus. Si père Okeke s'occupait seulement de ses affaires, je ne serais pas dérangé. Le père Okeke est un spécialiste dans l'art de s'incruster dans les affaires des autres. Laissez-moi aller droit au but. Père Okeke a une manière de retourner les gens contre leur manière traditionnelle d'adorer Dieu. Et bien sûr, au moment où il aura toute notre communauté, nous nous agenouillerons tous devant un dieu étranger. C'est ce pourquoi je suis dérangé, parce que je connais la réputation du père Okeke. Aussi longtemps que je vivrai, il n'y aura pas de dieu étranger. Le problème est que nous et les chrétiens, nous n'acceptons pas que ce dieu-là, c'est un dieu plus fort. Je respecte votre opinion, votre majesté. Et j'espère sincèrement que le père Okeke appréciera le fait que notre propre déité est semblable à son propre Dieu. Et alors il doit nous laisser la pleine liberté de louer notre cher Dieu à notre manière traditionnelle. Je suis également là pour vous dire que je n'apprécie pas le fait que vous êtes disposé à l'accepter dans notre communauté. Mais puisque dans vos capacités de Igwe, vous avez pris cette décision, ainsi soit-il, je respecte votre décision, votre majesté. J'ai compris ton inquiétude, mais ça ne veut pas dire que je ne l'apprécie pas non plus. Votre majesté, je vous remercie pour l'honneur, mais je dois partir maintenant. J'ai passé toute ma vie à protéger notre communauté et de garantir la préservation de nos croyances traditionnelles. Maintenant, le Igwe veut absolument minimiser mes efforts en compromettant le secrétisme de nos valeurs. Qu'il meure cette nuit. Exact. Le Igwe doit mourir cette nuit. La responsabilité de lui ôter sa vie repose sur tes épaules. Et tu dois accomplir cette tâche cette nuit. Comme vous le dites, vos désirs sont mes ordres. Rien ne va m'arrêter. Encore. Rien, Chief. Assure-toi à ce que personne ne te voie. Et le plus important de tous, ne laisse aucune trace. Répète-le, ne laisse aucune trace. Bonne chance. Très bien, Chief.
Non, c'est la nuit. Oh. Je ne veux pas attraper froid. Ok. Qu'est-ce que tu en penses à propos de des problèmes qu'on a entre Igwe et le grand prêtre? À propos de la venue de père? Je ne trouve rien du tout à dire. Hein? Ce que j'essaye de dire est que... Ce que nos chefs sont en train de faire, c'est très bien. Comment? Hein? Moi, je le soutiens à 100%. Hein? Comment? Écoute, comment pouvons-nous accepter un dieu étranger qui vient de notre pays pour venir faire ses histoires ici dans notre communauté? Non. Hein? Hein? Ce n'est pas normal. En fait, moi, je soutiens le chief Odumwego. Celui que moi, je soutiens, oui. Mais, tu vois, je suis d'accord avec ce que Igwe a dit. Il a dit que si ses pères viennent, il ne veut pas s'occuper des affaires d'autres personnes qui s'occupent de ses propres affaires. Il ne veut pas venir interrompre notre tradition. Et on dit qu'il fait beaucoup de miracles. Hein? Écoute, hein? Et ce que tu as entendu là, gagner beaucoup d'âmes. Tout ce que tu as entendu là, c'est une sorte de désillusion. Et rien du tout. Ah. Alors, il est plus que temps que tu oublies tout ça. Ah, même si je ne connais pas l'origine de ce dieu-là, mais je sais que ce n'est pas bien pour nous. Parce que nous ne le connaissons pas. Onyene me kansyeme. Ago. Abino we, onyene mo kansyamo. Ogene kwa kopa. Onyena mi kansyami. Naganga boy. Oyimo. Hey, Odogu, mon compagnon de garde. Ton ami garde. Dis-moi un peu comment ça va. Je vais très bien. Eh boy, comment tu vas? Ceci c'est l'original, le vrai vin. Je suis en train de célébrer, oh. Je m'amuse les gars, je me détends. Je vous dis les gars, la température est très cool et il fait un peu frais. Alors, j'utilise ça pour raffermir mes os et j'ai ma force pour demain. Écoute, c'est ça qu'il faut faire les gars. Ce que tu fais n'est pas bien du tout. Comment ça ce n'est pas bien? Non, ce n'est pas bien. Regarde un peu comment tu t'amuses. Qu'est-ce que tu veux pas, hein? Tu ne peux pas nous impliquer dans ton amusement là. Arrête, non, ce n'est pas normal du tout. Allez mon gars, s'il te plaît, va trouver des verres, viens, je vais... Vous inclure dans mon amusement, vous savez, on va s'amuser. Va trouver des verres et viens avec, toi, ok? Toi. Allez, on va s'amuser. Nous faire boire. Tout n'a bien qu'un abo. Vas-y, dépêche. Onyene me kansyeme. Ça, c'est la meilleure chose que tu aies jamais faite. Hey. Tu as toujours essayé de faire, parce que je ne veux même pas boire, mais... Ne t'en fais pas. Laisse-les emmener le verre, tu seras bientôt à mon niveau. Tu comprends ça? Tu n'as pas du tout besoin de me poser des tas de questions. Tu le verras par toi-même. Ça, c'est la meilleure chose que tu essayes de faire là-haut. C'est vraiment la meilleure chose. Ah oui, mon frère. Fais vite, donne-moi aussi. Mon frère, tiens. Voilà, je veux prendre ça, s'il te plaît. Donne-moi, fais vite. Depuis midi, j'ai encore cette bouteille. Je ne peux pas prendre celui-ci sans vous, les gars. En tout cas, j'aime beaucoup boire. En tout cas, je vais boire jusqu'à... Le but, c'est de s'amuser, mon gars. Ne t'en fais pas. Vas-y, mets pour moi, s'il te plaît. Mais ajoute encore un peu. Oh oui. Ajoute encore. Mon frère, on est là pour célébrer. Buvez. Ah, Mwengo. On est là pour boire. Nami omu kokeza là. Mbado. Odoganyo fuma. Ah. Ceci ira tout droit dans vos os pour les fortifier. Oui, ça a l'air vrai. Et une fois que vous aurez fini avec ça, mes chers frères, hey, vous serez des hommes forts. Buvez, mes chers frères. Mon frère. On a abattu. Aujourd'hui, ça va chauffer aujourd'hui. Hey. Ah. Qu'est-ce que tu en dis? Un vin fort. Un vin fort. Très fort. C'est vraiment très puissant. Ça vient de la Thaïlande. Une bouteille comme celle-ci, personne ne pourra se mettre en travers ton chemin. Sans même attendre, quelqu'un peut recevoir un coup. C'est ce que notre roi a l'habitude de prendre les après-midi. Tu as raison, mon ami. Et la nuit, mais baisse un peu ta voix. On doit prendre les nôtres aussi. Je te dis, mon ami, mais baisse un peu ta voix. Hey. Buvez. Vas-y, bois encore. Tu as senti ça? Ça a l'air bon. Miam. Buvez, les gars. Comme ce vin est bon. Allez-y, le vin est tellement bon. Où penses-tu aller? Ce vin vient de la Thaïlande. L'original. Chai. L'original. Miangpu. Alors, j'étais seulement en train de me détendre. Essayons de m'amuser.
Ah, sérieux, je n'en revenais pas. Allez, arrête avec ça. Tu ne sais pas qu'on ne fait plus ça. Eh oh, c'est notre Igwe. Hey, hey, l'Igwe est mort. Che, le dieu du Munabo. Oh Munabo, oh Munabo. Notre Igwe n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je ne sais pas. Notre roi. Mais comment est-ce que Igwe peut se retrouver dans ces lieux? Un instant. Si Igwe devait mourir, mais ça devait être dans le palais. Et pas ici. Peu importe ce qui lui a tué, ça pourrait même revenir ici pour nous tuer également. Partons, sans plus de sécurité dans ces royaumes. Oh mon Igwe. Oh mon Dieu. Igwe. Ce n'est pas possible. Comment a-t-il pu utiliser l'argent qu'il a eu en vendant ses terres, tout l'argent, pour acheter un kiosque, juste pour vendre du vin de palme et de la viande de brousse? C'est pas possible. Obuna Nzuzo, il faut que je te dise un truc. Ok. Il y a quelque chose de très sérieux qui Qu'est-ce arrive. Le gant Oliko est tombé. Eh bien, je préfère quand on dit féticheur. Je t'en prie, dis-moi ce que tu veux dire. Je ne comprends vraiment plus rien. Ok, ce n'est pas grave. Obuna Nzuzo, sois prêt à ce qui est au point de venir. Igwe est mort. Igwe Amulungu n'est plus. Je pense qu'il est encore trop tôt dans la journée pour dire de telles blagues. J'étais avec le Igwe, c'était hier. D'où t'es-tu réveillé exactement? Moi, Ligue, je l'ai vu hier. J'ai appris l'information aujourd'hui. Qu'il est mort. Juste comme ça. Chocolo.
Tu as vu le cadavre de Igwe ou pas? Tu ne crois pas. Il est vraiment mort. Au moment où je te parle, là maintenant, son corps sans vie vient juste d'être conduit au palais. Et c'est là où j'étais. Je viens du palais, là maintenant. Et c'est pour cela que je te dis tout ça. Hey! Attends. Allez, mais... Son corps sans vie est en train d'être conduit au palais. Où était-il mort? Où? Son corps a été retrouvé dans la rue. Dans la rue. Dans la rue, on a retrouvé le corps dans la rue. Imaginez vraiment ce qui s'est passé. Le roi est mort comme ça. Ok, je serai au palais. Ikenna. Hey. Ikenna. Hey. Omunabo. Mire jambo no. Hey. C'est triste. C'est très triste. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est jamais arrivé dans cette communauté. Tcha! Hey. Nous devons frapper à la racine de ces problèmes. Qu'est-ce qui a pu attaquer le roi? C'est ce que je me demande. Honnêtement, j'ai peur de tout ce développement. J'ai vraiment peur. Cette histoire me fait peur. En tout cas, j'ai vraiment peur. Pourquoi est-ce que le Igwe a quitté le palais sans avoir ses gardes? Oh! C'est vrai. C'est ça la question. Oui. Hey. Pourquoi? Tu vois Domego. Cette histoire devient plus grave. Je pensais que j'allais venir ici pour qu'on me dise que ceci n'était qu'une fausse information. C'est arrivé exactement comme tu l'as entendu. Oui. Hey! Oui. Igwe n'est plus. Hey! Non. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je peux suggérer que nous contactions la police. Oui. Je crois vraiment que les gardes savent quelque chose que nous ignorons tous. Exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est ce pourquoi je trouve ça un peu suspect, vous voyez? Ça, c'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Ikukwe d'ailleurs ici. C'est une très bonne chose. Ah oui. Vraiment. Notre défunt roi était l'unique responsable de ce grand fléau qui lui est tombé dessus. Hey. Ce n'est pas possible. Les dieux l'ont fait mourir. Il est à tout prix permettre à l'église catholique d'emmener le père Okeke dans cette communauté. Quoi? Comment ce ça? N'est pas possible. Père Okeke est un homme qui ne plaît pas du tout aux dieux. Parce qu'il a toujours eu cette habitude de détruire tous les lieux qu'ils utilisent pour adorer. Père, mais malheureusement, il s'est allié avec le père Okeke, alors que les dieux avaient décidé de l'écarter. Et les dieux ont pris sa vie. Igwe n'est donc plus. Chai. Igwe n'est plus. No, Choloku. Ce n'est pas possible. Hey. Nous sommes allés contre la volonté des dieux.
Sinon, les conséquences à payer sont très chères. Encore jamais. Sa mort est une malédiction. Et son corps devrait être jeté dans la forêt maléfique. Omunabo. Milinjanwono. Hey! C'est triste. C'est très triste. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est jamais arrivé dans cette communauté. Hey. Nous devons frapper à la racine de ces problèmes. Qu'est-ce qui a pu attaquer le roi? C'est ce que je me demande. Honnêtement, j'ai peur de tout ce développement. J'ai vraiment peur. Cette histoire me fait peur. En tout cas, j'ai vraiment peur. Pourquoi est-ce que le Igwe a quitté le palais sans avoir ses gardes? C'est vrai. C'est ça la question. Oui. Pourquoi? Tu vois, Domego. Cette histoire devient plus grave. Je pensais que j'allais venir ici pour qu'on me dise que ceci n'était qu'une fausse information. C'est arrivé exactement comme tu l'as entendu. Oui, oui. Hey! Oui. Igwe n'est plus. Hey! Non. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je peux suggérer que nous contactions la police. Oui. Je crois vraiment que les gardes savent quelque chose que nous ignorons tous. Exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est ce pourquoi je trouve ça un peu suspect, vous voyez? Ça, c'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Ikukwe d'ailleurs ici, c'est une très bonne chose. Ah oui, vraiment. Je te souhaite la bienvenue. Notre défunt roi était l'unique responsable de ce grand fléau qui lui est tombé dessus. Hey. Ce n'est pas possible. Les dieux l'ont fait mourir. Hein? Hey! Quoi? Ah. Il voulait à tout prix permettre à l'église catholique d'emmener le père Okeke dans cette communauté. Quoi? Hey! Comment ce n'est pas possible. Père Okeke est un homme qui ne plaît pas du tout aux dieux. Parce qu'il a toujours eu cette habitude de détruire tous les lieux qu'ils utilisent pour adorer. Père. Mais malheureusement, il s'est allié avec le père Okeke, alors que les dieux avaient décidé de l'écarter. Et les dieux ont pris sa vie. Igwe n'est donc plus. Chai. Igwe n'est plus. No, Choloku. Ce n'est pas possible. Hey. Nous sommes allés contre la volonté des dieux. Sinon, les conséquences à payer sont très chères. Encore jamais. Sa mort est une malédiction. Et son corps devrait être jeté dans la forêt maléfique. Chey. Et sa famille, strictement relevée des droits royaux. On a voulu que de vous épétons. Tout ça est vraiment très difficile à croire. Vraiment. Ha! Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Dis-nous un peu. Dis-le-nous. Je suggère que vous preniez quelqu'un qui se trouve parmi vous pour être le leader intermédiaire.
jusqu'à ce que je reçoive un message des dieux sur la famille d'où le prochain roi proviendra. Mais pour l'instant, son corps devra être emmené dans la forêt maléfique immédiatement. Hey! Quel genre de problème est ça? Hey! Là, c'est un homme que j'aimais beaucoup. D'autres Igwe, un homme que j'ai beaucoup aimé, un homme que j'ai beaucoup respecté. Mais comment as-tu pu descendre aussi bas? Pourquoi faire ça? Pourquoi? S'il avait besoin d'argent, pourquoi ne pas parler? Nous avons des gens ici qui ont l'argent. Chifo Dumegu, dis-moi un peu, quelle est cette somme que le roi pouvait te demander que tu ne pouvais pas lui donner? Chifo Dugoberia, beaucoup d'argent. Même à moi, il pouvait venir poser son problème d'argent. Nous avons suffisamment d'argent pour lui donner tout ce qu'il voulait. Hein? Comment un aussi grand homme pouvait se comporter comme ça? Tomber aussi bas. Aussi bas. Abilie Goua. Chai. Il sait lui-même chercher des problèmes. Le voilà maintenant. Hein? Odugwe Konkunkwo. Igwe Konkunkwo. Je pouvais m'attendre à tout de lui, mais jamais une telle honte. Pas ça. Ça, c'est vraiment la honte. Je vous ai fait une grande honte. Pas ça. Comment aurait pu descendre jusqu'au niveau de se faire corrompre? Mais pourquoi? Hein? Il ne pouvait pas quand même faire ça. Ce n'était pas normal du tout pour un roi. Ah, vraiment, ce n'est pas normal. Pas tout juste. Comment est-ce que le roi peut mourir comme ça? Il n'est pas chrétien. C'est un athée. Comment est-ce que l'église peut offrir une prison au roi pour qu'un prêtre puisse venir ici? Bah, non, c'est pas possible. L'église catholique que je connais ne peut pas descendre aussi bas. Ah, si le prochain roi est comme mon père, cela veut dire que nous aurons des problèmes. Dans l'histoire de ces royaumes, le christianisme a vraiment reçu une persécution. Ah. Oh, le Seigneur des armées, tu resteras notre Dieu. Avec toi à nos côtés, nous serons toujours victorieux. Ah oui, bien, magnifique. Je veux que tu viennes à la maison immédiatement. Il y a une urgence. Ouais. Non, arrête absolument tout ce que tu es en train de faire. Ceci est vraiment très urgent. Oui, c'est ça. Je t'en prie, ne traîne pas du tout, ouais. Oui, bon garçon. Odimada, alors, je t'attends, s'il te plaît. Père Okeke, n'ose jamais jouer avec un feu que tu ne peux pas contrôler parce que finirait par te brûler. La baleine est peut-être grosse, mais ne vole pas. Parce qu'elle ne peut pas. Make a demon! Yeah! Make a demon! Yeah! Make a demon! Yeah! Les gens des Fumunabo. Non, bienvenue. Nous sommes réunis ici en réponse à cette situation dans laquelle nous trouvons tous.
ça n'a jamais arrivé. Mais c'est arrivé. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de l'accepter et d'avancer. Hey! À débat, on va le faire. Quand il est encore chaud. Quand il est encore chaud. Oui, c'est exactement chaud. Ça. L'œil des dieux, Ikibo, nous avait dit quoi faire. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ici, pour trouver quelqu'un, celui qui a la capacité de nous conduire. Zeribia, allez-y. Non. Ce que je suggère est que, étant donné que nous avons le président de notre union dans la personne de Chief Odunegu Obunazozo Ikanya Bogunyanya, oui, notre président. C'est vraiment pertinent que nous le permettions de nous diriger avec sa capacité d'action jusqu'à ce que Egbigbo nous dise ce qu'auront dit les dieux. Voilà ma suggestion. Chief Odumegu, Obunanzuzo. S'il te plaît, nous te donnons la parole pour s'exprimer. Méfaiseur de roi. Ah, c'est quoi, Nan? Oku Koto. Adelombaya. Oh, Ezoku. Nana, Ogi. Obunanzuzo. Obunibambo. Mon ami, mon waye n'est pas. Aïe, n'a Ogi. Obiora. Chef Odumegu Ogunanzuzo. Je vous remercie infiniment pour cet honneur. Pour être franc, je suis ébloui. Je vous remercie tous ici pour avoir imposé cette responsabilité sur moi. Laissez-moi soulever un point important. Je ne sais pas si vous savez que le révérend père Okeke, qui nous tous savons, est spécialiste dans la destruction de la crédibilité des dieux de certains peuples, vient d'être transféré à Umunabu. Imaginez ça. Hey, ah oui, vraiment, lui là, un destructeur, imaginez un vrai démangeur, un perturbateur. Ok. Je suis en train de suggérer que nous l'arrêtions avant qu'il n'arrive ici. Guam. Hey. Obunanzuzo, non. Dad. Tout le monde, j'ai une objection. Il est l'œil des dieux. Et si Dieu décide qu'il vienne ici, nous ne pouvons pas le refuser. L'interdire de venir ici
c'est un péché contre nos dieux. Si nous voulons l'arrêter, que le Dieu eux-mêmes l'arrêtent. Ça, c'est mon propre humble opinion. Je laisse la parole. Okafo, tu as très bien parlé. Ndibani sine bwene bwe gogo. Mane bwe. Ti de megini kababu ebwe. Ndibani nasi. Ouwe pwa kengwe no ve makagini. Omera la femme t'es pas un bon joueur. Tu as très bien parlé, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si tu étais là quand Ikriko s'est adressé à nous et nous a parlé des causes de la mort du Igwe. Il a dit que le Igwe a pris un pot de vin et tout ça pour laisser le père Okeke dans notre communauté. Et cela, c'est ce qui l'a tué. Je suggère vraiment à ce que nous puissions l'arrêter. Il ne devait pas être le combat que nous devrions livrer à nos dieux. Alors, empêchons-le de faire ça, avant qu'il ne commence à récolter sur notre terre. Voilà ce que je pensais dire. Parce que je sais ce que ça veut dire de laisser entrer dans mon arbre. J'espère que j'ai été sage pour vous. Merci beaucoup. S'il est quelqu'un que j'apprécie le plus ici parmi nous, Dalo. On devrait déjà très rapidement mettre certaines choses en marche. Dalo. Au palais, Chico. Hugo, ton père a dit que tu as eu une information pour moi. Ngo, combien de fois je t'ai appelé? Je t'ai appelé 3 fois. Ngo, j'aimerais que tu rassembles tes hommes de l'est, ouest et nord, sud. Je veux que tu mettes des gardes partout dans les entrées de ces villages. Par conséquence, aucun visiteur n'entrera dans ce village sans une bonne identification. Oui. Il y a un cas très particulier que je veux que vous l'interdisez d'entrer dans ce village. Il s'appelle Père Jérôme Okeke. Jérôme Okeke. Et en plus, je veux que toi, que tu comprennes que tu as l'autorité de les faire taire. Écoute bien, il n'y a pas de pitié. À vos ordres, tue-le si c'est possible. C'est comme si c'est déjà fait.
Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vas-y, parle. Maintenant, j'ai vu le père en train de prêcher dans la place du marché. Quoi? Hé, toi là, de quel père parles-tu là? Le père, non. Tu veux dire au père au kéké? Oui. Es-tu sérieux? Es-tu sûr de ce que tu dis? Ah, non, je jure. Et regarde là. J'espère que ce n'est pas un piège. Parce que si on découvre que c'était un piège, je vais te trancher la gorge avec ça. Parce que je suis sérieux, non? Je l'ai vu. Écoute-moi bien. Hein? Si je comprends que c'est une blague ou quelque chose de ce genre, je vais personnellement te tuer et jeter ton corps dans la forêt. Mais croyez-moi, non? Croyez-moi. Venez, je vais vous montrer. Boss. Allons-y, vous allez allons-y. Voir. Allons-y. Avance là-bas. Jogi koge bupo, abani roroge hi. Jogi koge bupo, abani roroge hi. Jogi koge, umuna bonjani roge hi. Oh, weka Jesus bata nubi. Umuna baise, jogi koge bupo, oh, abani roroge hi. Jogi koge bupo, abani roroge. Umunne bo njogi koge bupo abani roroge hihe kweka Jesus batano. Ah, hein? Qui es-tu et comment tu es entré dans cette communauté? Et tu es... Je m'appelle Amogo Oje Bazuku de Omunabo Odogu, les leaders de cette communauté comme tu peux les voir. Ah voilà. Oui, c'est ça. Et je te demande encore, comment es-tu parvenu à entrer dans cette communauté? Je m'appelle le révérend Faradjiromo Okeke. Voici le révérend sœur avec moi. Je suis le nouveau prêtre qu'on a envoyé pour cette communauté des Omunabo. Comme tu peux le voir, je suis ici pour venir faire le travail que mon père m'a envoyé. Vous avez besoin du salut, donc vous pouvez... Allez-y, venez. Quel salut? On n'en a pas besoin. Le salut ou peu importe tu l'appelles. Je ne sais pas comment tu es entré dans cette communauté. Je trouverai d'où tu viens. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Quittez maintenant. J'ai l'impression que tu n'as pas bien entendu. Comme je disais, je suis ici parce que j'ai été envoyé par Dieu. Je suis venu pour faire les travaux pour lesquels mon père m'a envoyé. Vous voyez? Je suis en train de parler du Seigneur des Seigneurs, le roi, le Seigneur des Seigneurs, le Lys de la vallée. Les rochers des âges, oui, c'est lui qui ne faillit jamais. C'est lui qui a créé toutes choses là où il n'y avait rien du tout. Ce n'est pas une question de moi, mais toi, de devenir Dieu. C'est de cette personne dont on parle. Je marche sous son autorité et comment tu peux me demander, moi, de quitter ici? Mon fils, tu n'as pas raison. Qu'est-ce que je veux juste te dire? Avez-vous entendu comment il a appelé Ouzo?
son fils. Est-ce que tout va bien avec toi? Héro Keke, tu dois être fou. Nous t'avons demandé de partir d'ici. On n'a pas besoin de toi dans ce village. Alors va-t'en. Ou tu es sourd? Es-tu sourd? Père Okeke, je vois que tu es arrogant et aussi stupide. Tout de toi. Merci pour ces compliments. Njogi kage bupo. Père Okeke, de la manière que tu le veux, et c'est comme ça que tu vas finir. Njogi kage bupo. Habani roge hiye. Weka Jesus patano. Hasim aleluya. Njogi kage bupo. Habani roge hiye. Oh, njogi. Umunne ma habani roge hiye. Njogi kage bupo. Habani roge hiye. Aleluya. Njogi. Non. Le serpent et les mille pattes ne mordent jamais par leur ventre. Leur forme ne les rend pas plus braves. Le changement de couleur d'un caméléon peut seulement tromper des fous. Et pas moi. Ici à Dja, le festival le plus important d'ailleurs. Ah oui, très important. Alors nous devons le préparer proprement pour recevoir les bénédictions venant des dieux. Ah! Oui, voilà mon avis. Bigwe la nia gounia nia. Oh, de goukolou lo, de gou. Anomia. Wanyo moi. Tu as bien dit. Merci bien. Yéma, ware bono boasia. Ici côté, bouye na no magana se na meti kote. Bata ya meti kote. Mou ka mou, di gounes mas kouroué. Ici côté, bouye. Meti kote yo boasia.
Is it going to be hard? Hey! Odogu, je sais qui tu es. Je ne peux pas te suivre, toi. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Chef, au moment où vous parlez, Père Okeke est dans cette communauté. Hey! Attendez. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Oui, chef. Que le père Okeke se trouve dans cette communauté. Comment est-il arrivé ici? Vole-t-il maintenant? Hein? Comment il a fait? Bande d'idiot. Comment est-il arrivé ici? Je me demande aussi cette question. J'ai même essayé de le tuer. Ferme-la, je vais plus t'entendre. Tais-toi d'abord. Je ne tolère pas l'incompétence. Oui. Je ne tolère pas la négligence. Je vous ai tous préparés pour... Je vais devoir vous éliminer. Je vais en finir avec vous. Oui. Proprement. Vous êtes des incompétents. Je vais... Hey. Je connais la peine que nous avions prise pour nous assurer à ce qu'Okeke ne puisse pas entrer ici. Vous venez dire que... Voilà que vous êtes là devant moi. Hein? Onyongwarangoro. Allez-vous-en maintenant. Pardonnez-nous, chef. Allez-vous-en maintenant. Disparaissez d'ici. S'il vous plaît. Hey. Vous n'êtes que des incompétents, vous tous. Vous faites la honte. On vous donne une petite tâche. Vous n'arrivez pas à vous en occuper. Mais c'est quel genre d'homme comme ça? Ikenna. Monsieur. Viens. Hey! Va tout de suite au temple. Dis à Ekriko que le père Okeke est ici. Comment est-ce possible? Je ne sais pas si te pète. Dépêche-toi maintenant. Je viendrai également pour le voir. Le peuple d'Umunabu, la lumière est venue dans cette communauté. Vous savez ce que Dieu dit? La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres disparaît complètement. Hein? Je vais lire une écriture dans la Bible. Pour que vous compreniez en profondeur de quoi je parle et ma mission ici. Je lis dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 8. Je lis. Dans quelques villes que vous entrez, et on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Écoutez, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers qui? Vers vous. C'est la parole de Dieu. À cette étape-là, la Bible dit, et si vous nous recevez, nous sommes venus avec le pouvoir de Dieu. Par Dieu, de libérer les captifs, de guérir le malade. Et je suis content que les gens viennent. Donc, c'était vrai. Tu es venu ici pour raconter du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est ça. Monsieur. Les hommes ont besoin de l'autorité de Dieu. Il n'a pas besoin d'autorité d'un homme. Je m'explique. Dieu n'a pas besoin de l'autorité d'un homme. Pour lui, pour partager le pain avec le peuple, avec ces gens du peuple. Je te demandais de savoir ce qui te donne l'audace de faire ce que tu es en train de faire, mais tu racontes n'importe quoi. Essaie un peu d'imaginer. Est-ce que tu sais qui est celui qui se tient devant toi? Qui penses-tu que tu es? Sais-tu que cet homme-là est le chef de ce village, là où tu viens dire n'importe quoi? Je suis désolé, je ne me suis pas présenté. Je sais qui tu es. Nous ne voulons pas de toi ici, je t'en prie, pars. Monsieur, vous ne pouvez pas arrêter le travail de Dieu, je m'excuse. Je dis que nous ne voulons pas de toi ici et nous ne voulons pas de ton influence. J'ai appris par mon autorité que tu as détruit plusieurs traditions et nous ne voulons pas que cela arrive ici.
Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Pars pour ton propre intérêt. Ah! On ne veut pas de toi ici. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Pour faire respect, je suis venu en paix. Je ne suis pas ici pour abîmer les traditions, s'il vous plaît. Je suis ici pour faire le travail pour lequel on m'a envoyé. Je me fous de qui t'a envoyé. Dans ma capacité en tant que le leader de cette communauté, je suis en train de dire que nous ne voulons pas de toi ici et nous ne voulons pas de ce que tu représentes. Maintenant, écoute-moi et écoute attentivement. Je suis le leader de cette communauté et mon nom est Chief Odumegu Eze Obunazizo. Écoute bien, Obunazizo. Nous ne voulons pas de toi ici. En toute humilité, je te permets encore de rester ici pendant 4 jours du marché. À la fin de cette semaine, tu dois partir. Alors écoute-moi, écoute attentivement. Si à la fin de 4 jours du marché, je te vois encore ici, personne ne me tiendra pour responsable de ce qui va t'arriver à toi. Je m'excuse vraiment, le peuple de Dieu. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Salutations, les grands équilibres. Mon père m'a dit de te le dire qu'il y a un grand problème dans ce village. Vas-y, parle. Les grands équilibres. Mon père m'a dit de te dire que le père Okeke est déjà dans notre village. Le père Okeke est déjà ici. J'ai fait absolument tout ce que je pouvais pour l'arrêter. Mais puisque nous n'avons pas pu l'arrêter, nous lui servirons ce que nous avons servi à tous les autres. C'est plus qu'une imagination. Après tout ce qu'on a fait aux dieux pour cette communauté, ils ont quand même resté entrés. Ikiribo, je crois que mon père se dirige vers la place du marché pour confirmer cette nouvelle. Over the corner,
Va et dis à ton père que je suis encore le conservateur de la culture de ces terres et je vais combattre cette bataille pour la finir. Je livrerai votre message, les grands et qui morts. Qui était arrivé. Vous m'avez déçu, vous tous autant que vous êtes. Comment est-ce possible? Pourquoi vous l'avez fait entrer dans cette communauté? Mais monsieur, arrête un peu de nous parler comme ça. Nous sommes aussi confus que tu es. Ferme ta bouche, je n'ai pas encore fini de parler. Qu'est-ce que vous avez fait? Cet homme est dans cette communauté en train de prêcher quelque part. Vous l'avez laissé entrer dans cette communauté. Et je ne sais même pas qu'est-ce que vous avez fait là-bas dehors. Qu'est-ce qui vous a pris, hein? Odogu, calme-toi, laisse-moi t'expliquer, hein? On était là, tu as fermé là, tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer encore? Il fallait même les tuer. Tu veux dire que cet homme est plus fort que notre tradition? Notamment le Dugu. On a absolument tout essayé. Cet homme, c'est un démon. Je ne comprends pas pourquoi il est encore là. J'ai tout essayé de l'éliminer même. Cet homme a le pouvoir. Ferme-la, arrête de parler de n'importe quoi. Est-ce qu'il est plus fort que notre tradition? Dis-moi, explique-moi. Il est plus fort que notre tradition? Est-ce que cet homme a cette puissance financière que Modèle vous donne pour vivre? Et vous devrez prier. Qui mon père ne vous demande pas de lui remettre absolument chaque billet qu'il a eu à dépenser sur vous. Parce que vous êtes une disgrâce. Mon Dieu. Une bande d'idiots. Je reconnais que nous avons tous mal fait. Je suis désolé. Je mène déjà une enquête pour savoir comment est-ce qu'il est entré dans cette communauté. Et à quoi sert au juste tes soi-disant enquêtes stupides? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fera exactement avec ta soi-disant enquête stupide? Dans cette communauté en train de prêcher quelque part et tu m'ouvres ta bouche puante pour y parler de la quête stupide comme j'ai dit. Préparez-vous à cela, vous pouvez rembourser tous les billets que mon père a eu à dépenser sur vous. The prophet of our time has come. The savior of our time has come. The prophet of our time has come. He has come to set us free from the land of the evil. The prophet of our time.
eux. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Omotinakele, je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, je suis ici à Omunabo pour la mission divine. Je continue à croire que si ce n'est pas la volonté de Dieu, je n'allais pas être ici. Parce qu'il y a plusieurs circonstances qui ne feront pas que je puisse être ici. Mais je suis ici. Alléluia. Amen. Eh bien, je prends note que la communauté d'Omunabo est contrôlée par l'esprit du diable. Mais maintenant, ma Bible m'a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, écoutez l'assurance. Moi, je suis venu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Amen. Mes frères, c'est la parole de Dieu. La lumière de Dieu est venue détruire le plan des ténèbres. Amen. Pour cette communauté. Là, vous ne m'avez pas encore entendu. J'ai dit, la lumière de Dieu est venue détruire tous les plans du diable. Amen. 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 Eh, Ouzako, tu es moi, je veux vous tenir debout. Oui. Mon père. Nous remercions Dieu pour avoir envoyé quelqu'un comme vous dans notre chère communauté. Sois béni. Sûrement, Omunabo a besoin d'être purifié. Plusieurs familles vivent dans des sérieux liens familiaux. Vous pouvez y aller et le voir par vous-même et voir combien de belles constructions nous avons. Mais tout ça seulement pour des gens démoniaques. Tu as raison, frère, tu peux. Tu peux t'asseoir. Oui, mon père. Nous sommes vraiment contents de vous avoir dans notre royaume. Que le Dieu Tout-Puissant te protège. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus, père. C'est très bien. Ah, je dis... Bien, je vais commencer la délivrance dans cette communauté immédiatement. Amen. J'ai besoin des membres de cette église pour m'accompagner pour cette mission que j'ai. Et j'en ai besoin immédiatement. C'est comme si c'était déjà fait. Oh, bon, 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 ça ne va pas être moi qui ai tout le Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Encore une fois, je vais vous parler, le peuple de Dieu, que la lumière est venue dans cette communauté. Amen. 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 Vous savez, la Bible dit, Dieu a dit dans son merveilleux livre que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui, ah, oui. C'est la parole de Dieu. En parlant de ça, nous sommes à la fin de cette réunion. Nous professeurs notre temps. Ah oui, un vrai homme de Dieu. Shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel. Hey, c'est encore quoi cette histoire? Je me demande, ça, c'est quel genre d'histoire? Est-ce que cette histoire est vraiment possible? Hein? Comment est-ce que ce garçon a pu se faufiler ici dans notre communauté? Mais comment il a pu se faufiler dans notre communauté? Cela veut dire que ce garçon qui doit faire la sécurité ont beaucoup bu et finalement ils se sont endormis. N'eût été cela, ce garçon-là n'aurait jamais pu entrer ici dans cette communauté. Mais on peut mettre ça de côté aussi. Mais les dieux de notaire, comment avez-vous pu permettre qu'une telle chose se passe? Vous étiez endormis aussi ou quoi? Hein? Comment il a pu entrer ici pendant que vous êtes là? Vous auriez même pu le jeter, le brûler. Mais, imaginez. Ce garçon,
Il n'a même pas eu respect pour nous autres là. Il nous a vraiment manqué de respect. Pour bien définir ce garçon, je dirais que c'est un cauchemar. Et sa présence ici signifie la terreur pour notre tradition. Hein? Je plains pour la tradition. Mais comment un petit garçon comme ça peut nous malmener comme ça? Oui! Depuis qu'il est là, nous ne sommes plus à l'aise ici. Papa, ce n'est pas normal. Je t'ai debout depuis très longtemps en te regardant en train de parler de toi-même. Hein? Papa, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te dérange? Tais-toi! Va faire ce que tu faisais. Va faire ton travail là-bas. Idiot! Ton père réfléchit. Toi, tu viens pour l'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Esprit de contrôle. Tu viens chercher quoi ici là où je suis? Tu viens chercher quoi ici là où je suis? Partout où je suis, toi tu viens pour me contrôler. Quel est ton problème? Que veux-tu de moi? Continue encore à me contrôler. Pendant que moi je réfléchis, c'est ton problème. Continue toujours à faire ça. Papa, je ne sais pas pourquoi tu te fâches contre moi. Je ne sais pas pourquoi tu hausses les dents sur moi. J'ai déposé une simple question. Non, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Reviens ici. Reviens alors. Femme sage et intelligente. Là-bas, tu fais la championne. Tu es là comme ça. Mais ici, qu'est-ce que tu viens ici? Toi, regarde-toi. Idiote. Tu n'es qu'une idiote. Tu ne sais même pas réfléchir. Je t'ai même supplié. Même s'il faut que tu épouses un imbécile, je vais accepter. Avec tout le plaisir. Avec tout le plaisir. Même si tu amènes ici un mendiant et tu me le présentes comme l'homme que tu veux épouser, je vais accepter. Je vais accepter. Tout ce que tu sais faire, c'est rester là à me contrôler. À me contrôler. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Esprit de contrôle. N'importe quoi. Mon ami est blabou. Obien l'amour. Tu ne fais que m'énerver. Tu ne fais que m'énerver tout le temps. Papa, j'ai besoin de récupérer mon sang. Mais viens le chercher ici. Viens le chercher. Viens, tu verras ce que je vais te faire. Viens ici, viens le chercher. Viens le chercher. N'importe quoi. Viens le chercher, il est là, viens le chercher. Tout ce que tu sais faire, c'est me déranger comme ça. C'est tout ce que tu sais faire. Ton chien est là, viens le chercher. Mon nom c'est Amarachi Odumegu. Mon père est le leader de cette communauté. Ah, ok. Chef Odumegu. Oui. Oh, ton père a fait tout ce qu'il pouvait pour m'empêcher de venir dans cette communauté. Il a vraiment essayé tout ce qu'il pouvait faire pour ça. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Ah, ok. Je vous demande vraiment pardon. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'il fait. Comment est-ce que tu vis avec une telle personne qui déteste l'église comme ça? Ce n'est pas du tout facile, mon père. Mais personne ne m'empêchera de servir mon Dieu. Personne, mon père. Ma fille, continue comme ça. Hein? Merci, mon père. Hein? S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder une faveur? Ok. Est-ce que je peux me joindre à votre groupe de prière? Sais-tu que... Bonjour, mon père. Sais-tu que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6:12? Oui. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien. As-tu compris ce que dit cette parole? Parfaitement bien, mon père. Je le comprends. Écoute, rejoindre mon équipe de prière, c'est facile. Mais rester dans mon équipe de prière, uniquement dans mon équipe de prière, c'est là où intervient le problème. Tu vois, tu dois comprendre que nous se battons presque à tout moment. Nous recevons des attaques de partout et nous en recevons à tout moment. Alors si tu n'as pas l'échange spirituel, si tu n'es pas rempli du pouvoir du Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir. Même si tu essaies, tu ne le sauras pas. Non, que Dieu m'épargne. J'ai la foi, mon père. Je peux le faire. Ok, sois là. Demain, nous avons réunion. On va se croiser, ok? Oh. Je t'en prie. Merci infiniment.
Je ne vous décevrai pas. Que le Seigneur soit avec Merci toi. Merci, mon père. Que le Seigneur soit avec vous. Esprits de mes ancêtres. Me voici, je viens vous demander Akwaya, Talobankwayad, pour que j'obtienne, soutenir et maintenir tout le spirituel que vous êtes pour diriger dans l'existence de toute la vie et même dans l'existence de la mort. Chers esprits de mes ancêtres. Prenez-moi. Prenez-moi. Je suis en ce moment envoyé. Watamela Nchuko. Je suis là pour te donner un message. Il a décidé de te donner une chance pour te racheter à ce que tu as fait. N'échoue pas. Je vais le faire. The mighty power
land of the evil. The prophet of our time has come. The savior of our time has come. The prophet of our time has come. Seigneur soit avec vous. Qu'il soit aussi avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il soit aussi avec vous. Et vous bénir, battez, bénir, en vous. Oui, mon père. Au revoir, roi. Jésus. On y a kéré, kéwe, roué. On y a bourris, ya hose. Oni yene siri kodi wara yamfe chukwe bube odo abata nezi nuno dina wunya buru suta ebe nwoke gabuzi dali wanya bulu honi aneri anami chaka chukwe bube odo. Ababa, où serait Mélibkant para Kissinti para Basta para Kuro para Kisakara Kiri para Kintaro? Robobobo Kendo, Ra! Riste Pikiribu, Ro! Hesh! Seigneur, lorsque je priais, l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il y a les problèmes que dans ta maison. Hey. À côté de la table, excusez-moi. Ok. Silence, 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 je suis connecté au trône. Silence. Oui, Seigneur. À côté, oh oui, il y a une lanterne. Il y a une lanterne à côté de la table. Frère,
Oui, père. Conduis-moi à la maison. Chez toi. Allons-y, 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 allons-y. Mon père, si... Montrez-moi ta maison. Allons-y. Allons-y, allons-y. S'il vous plaît, mon père.